Bonjour. Si vous connectez, écrivez juste bonjour. Bonjour Flavie, bonjour Marie. Bon, ce live, c'est pour soulever quelqu'un. Bonjour Charlene. Hier c'était calme. Vous me payez pour les directs que je fais chaque jour. Quand je fais le direct, tu as donné 500 ici là. Dans le jour où tu ne vois pas le direct, tu avales seulement ta salive. J'ai des jours, j'ai des formations que je fais. Du coup, ça me prend plus de temps. Mais je n'ai pas le temps de faire le direct. Donc, bonjour, bonjour. Je demande la présence du Saint-Esprit, de vos ancêtres. Pour que ce que nous allons partager ici soit mémorable. Pour que les paroles que je vais vous donner vous remettent sur les rails. Ok? Voilà. Je demande l'assistance de vos ancêtres, de la Vierge Marie, de tous les archanges, les anges, les chérubins, qu'ils soient présents ici et que mes paroles vous libèrent. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors, bonjour. Je devais faire un bilan de 2022. Et je suis sûre que vous n'êtes pas arrivé là où vous vouliez arriver. Donc, si vous n'y êtes pas, et je sais que vous n'y êtes pas, parce que moi-même, je n'y suis pas. On dit en anglais, you have to go back to the drawing board. Tu dois repartir là où tu dessinais pour revoir. Qu'est-ce qui m'a fait faute cette année? Qui m'a bloqué cette année? Beaucoup d'entre vous, si vous êtes tombé sur ma page en 2022, ça veut dire qu'avant, vous n'étiez pas profondément dans la spiritualité africaine. Et aujourd'hui, votre esprit commence à s'ouvrir. Je vous préviens que ce ne sera pas le début. Donc, je vais vous parler de deux mentalités. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes francophones. Et en tant que francophone, vous avez hérité de la culture française. Bonjour le roi Kouyaté. Je me rappelle quand je suis partie, quand je suis arrivée en Europe, je suis arrivée en Belgique. De la Belgique, je suis partie en Angleterre. J'ai fait 9 ans en Angleterre. Des 9 ans que j'ai passé en Angleterre, je peux dire que c'est en Angleterre que je me suis réveillée. C'est en Angleterre que je me suis réveillée vraiment. J'ai eu mon éveil. J'ai décidé de ce que je voulais faire de ma vie. Et je suis partie en France. Les deux dernières années que j'ai passées en Europe, j'étais en France.
La différence avec la France, c'est quoi? Je me rappelle quand j'étais en Angleterre en 2016, j'ai visité l'Italie. En Italie, à l'heure de sieste, on ferme tout. J'étais dépassée, je dis, attends un peu. Moi, je viens d'Angleterre, le dimanche, on ouvre. Like, we're open on Sunday. Like, what are you guys doing? Ils dorment, ils ferment tout pendant 2 heures. Je me rappelle, j'avais faim. J'étais en ville, j'avais faim, je voulais une glace. De 12h à 14h, tout était fermé. J'étais choquée. Et je me suis rendu compte que, sans le savoir, les gens, mes amis qui étaient arrivés en Italie, donc, genre, on a fait l'université ensemble, eux, ils sont arrivés, ils ont atterri en Italie. Ils se sont imprégnés de cette mentalité qui est un peu lourde. Et vous savez, ceux qui sont en Italie, vous savez que l'Italie, c'est un pays qui te, sans que tu ne le saches, ça te ferme l'esprit. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. On revient maintenant sur la France. La France, c'était un perpète. Parce qu'en France, je n'ai pas travaillé pour quelqu'un. En France, quand je suis arrivé là-bas, j'avais décidé depuis 2016 que je ne travaillais pour quelqu'un. Donc, quand je suis arrivé en France, les 2 ans que j'ai passé là-bas, j'étais à mon compte. Ce qui fait que l'environnement de travail français, je n'ai pas fait. Donc, récemment, ça fait 3 jours que j'ai regardé un film, une série, qui parlait des mentalités. Une fille américaine qui est venue s'installer à Paris pour 1 an. Et je me suis rappelé, quand je voyais comment, le week-end par exemple, il ne travaille pas. Tu ne peux pas parler de business quand tu es dans une soirée. Ils se trompent entre eux, ils mentent, ils ne sont pas directs, ils ne sont pas droits. Et ça m'a tellement rappelé ce que j'ai vécu quand je suis arrivé en France. J'étais très mal à l'aise en France parce que en France, il y avait beaucoup de. Tu pouvais avoir une grosse voiture en France, on vient, on gratte ta voiture en route. Genre, tu gardes ta voiture. Si on sait que c'est un noir alors qu'il a la grosse voiture, c'est encore les problèmes. Et les Français, quand ils savaient que tu venais d'ailleurs, je me rappelle au départ quand on venait d'arriver, ma fille et moi, nos habillements étaient très expressifs. Moi, j'ai toujours aimé les couleurs. Et les Français n'aiment pas tout ce qui sort du commun. Du coup, je me rappelle la première semaine, ma fille avait des cheveux roses. Tu imagines une fille de 8 ans qui a les cheveux roses? Parce que je lui avais appris à prendre ses propres décisions. Ok, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas ce que ta mère veut. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Et je me suis donc rendu compte que le système anglo-saxon et le système français qu'on a hérité sont deux systèmes qui sont en train de vous influencer. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le système français. Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, tous les pays qui parlent français. Je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé à Abidjan. Même au Gabon, tu vois, à 9h, tu vas aller à la boutique, on te dit que c'est fermé. Je dis, mais attends un peu, je crois que le Cameroun, Douala surtout, a un peu. Douala, c'est la ville de business. Donc, du coup, tu as les gens qui sont à Douala qui fonctionnent comme les Londoniens ou les Parisiens. Paris, c'est un peu sans savoir parce que les Londoniens, c'est. Ah, je dois travailler, je dois travailler. Donc, à Douala, tu as un peu un mélange de deux. À Douala, si tu veux être paresseux, tu seras paresseux. Si tu vas avoir l'argent à Douala, tu auras l'argent. Mais les autres villes, tu vas voir à midi, une femme n'a pas préparé. C'est pas parce qu'elle travaillait. C'est à peine, elle sort le matin, elle n'a pas acheté le pain à la boutique à l'enfant. On chargeait, mais dans le sac de l'enfant. Je dis, mais tu faisais quoi à la maison pour ne pas faire un petit truc? Là, tu vois, il y a une certaine désinvolture. Et quand je consulte les gens dans ces deux pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, je me rends compte que la mentalité, les femmes ne voient pas loin. Je veux un bon mari. Combien de femmes entrepreneurs avez-vous dans la francophonie? Combien de femmes entrepreneurs avez-vous? Quand quelqu'un arrive va en Europe ou bien sort du pays, il se retrouve aux États-Unis. Cette personne a plus de chances si elle s'adapte au système. Cette personne a plus de chances de percer. Maintenant, écoutez bien,
Vous m'écoutez à travers un téléphone. Personne n'est dans cette pièce avec moi. Je suis ici seul. Donc, ça veut dire que vous avez votre téléphone. Ça veut dire que les réseaux sociaux vous ont déjà imprégné. Maintenant, si vous êtes encore derrière, écoutez-moi bien. C'est de votre faute. Si vous êtes encore derrière, c'est de votre faute. Bonjour. Bonjour. J'ai des questions sur TikTok, genre pourquoi j'ai choisi le nom aussi, pourquoi. Ça, c'est des petites questions. Je n'ai pas trop de temps. Aujourd'hui, tous les directs que je ferai avant la fin d'année, je veux vraiment vous focaliser sur votre mission de vie. Si je te dis pourquoi j'ai choisi ce nom, ça ne va pas t'aider à gagner 500 000 francs aujourd'hui. Ok? Donc, restons vraiment focus. Focus. Restons objectifs. Parce que c'est ce qui manque souvent aux Africains. Je vous ai dit ça avant-hier dans la vidéo. Je crois que non. Samedi, j'ai fait un direct. J'en ai parlé. Même dimanche, j'en ai fait un. On est très éparpillés. On se pose des questions qui n'ont pas d'intérêt pour notre vie. Toutes les fois de ma vie dans le passé, où j'ai chuté, à 22 ans, j'étais en Angleterre, ça faisait déjà 2 ans. J'ai osé croire que je peux devenir. J'ai osé me demander, parce que j'ai eu mon bac à 16 ans et demi. Mon père m'a dit, va à Ngoyekele. Après ça, ma tante m'a dit, viens en Belgique. Je suis parti. Après ça, le père de ma fille m'a dit, viens en Angleterre. Je suis parti. Quand le père de ma fille m'a lâché, et j'avais lâché l'école pour le père de ma fille, et que lui m'a lâché, c'est fini entre nous, on m'a dit comme ça. Je me suis assise, je me suis dit, what the F? Je vais où maintenant? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Est-ce que vous savez que c'est des questions que très très rarement les femmes se posent? On est toujours dans les choses qui sont cheesy, les trucs relous, genre, ouais, bonne année, bonne journée, bon anniversaire. Oh. En tant que francophone, on se dit très peu la vérité. Vous aimez les influenceurs qui vont venir vous caresser dans le sens du poil. Vous aimez qu'on vous blase. Hier, j'étais dans le salon de beauté. Donc, j'ai une Gabonaise qui arrive. Pas très belle. Le genre de personne qui est pas très belle à l'intérieur. C'est parce que le mot laid, je n'aime pas prononcer. Pas très belle à l'intérieur et pas très belle à l'extérieur. Et je crois que c'est la caractéristique principale des Gabonais. Ils aiment bien vous montrer qu'ils ont. Ils aiment vous rabaisser. Ils aiment faire des conversations en train de on va faire ça, on va aller dans la chambre du ministre, on va parler au secrétaire d'État, secrétaire général d'État. Oui, on va préparer la. Tu sais, tu peux être quite, you know, assez belle physiquement. Je n'aime pas le mot laid parce que Dieu a créé tout le monde. Laissons comme ça. Mais quand les gens me voient physiquement, vous savez que je ne suis pas laide. Je suis très belle. Mais il y a des gens que quand ils te voient comme ça, ça les énerve. Mais pourquoi la fille si belle? Et c'est là que la laideur qu'il y a dans leur esprit, dans eux là, ça ressort. Donc je suis assise, j'ai demandé qu'on me mette dans la cabine privée. Du coup, elle arrive avec ses airs. Ok, je suis en train de regarder mon film. Quand je vais dans les endroits comme ça, je n'aime pas trop parler aux gens. Minding my business. Quand il finit ses appels, ouais, le secrétaire d'État, ouais, attendez-moi, ouais. Je dis, ok, je suis la femme qui a la Mercedes là-bas dehors, Je suis là, je ferme seulement mes. I'm minding my business. Ça doit être une femme au moins dans les 45, 50 ans. Tu as une femme qui est ronde comme ça là. Tu la regardes pour la complimenter. Tu cherches. Tu sens que ça fait longtemps qu'elle n'a pas souri. Tu as une femme que si tu arrives dans son bureau, tu fais ça.
Like, you know, j'ai déjà eu les expériences avec des femmes là. Du coup, j'ai un goût dans ma bouche. Donc, je suis là focalisée. Elle finit 30 minutes plus tard. Elle se tourne et me regarde. Quand elle me regarde, je fais seulement comme ça là. Je parle à la fille qui avait cogné ma voiture l'autre jour. Je dis, madame, au Gabon, je ne conduis pas. Ça ne peut pas être moi. Ok. Je me tourne. Elle cherche. Elle cherche. Je ne dis rien. Ils arrêtent de faire mes ongles. Elle cherche. Après, je te connais quelque part. Je reste, je ne dis rien. Il dit peut-être c'est sur les réseaux sociaux. Hé, Jèche! Ah oui, tu es la bandite là. Je dis, madame, je suis aimée et détestée par beaucoup de personnes. Après ça, je n'ai dit plus rien. Je n'ai pas dit que je te détestais, mais vraiment, tu sais, je ne t'ai jamais rencontrée. Je ne dis rien. Je suis comme ça là. Vous savez, ce qui me, le système l'américain. L'américain n'a pas besoin de te montrer ce qu'il a. Il n'a pas besoin de te montrer. Il n'a pas besoin de te montrer ce qu'il a, ce qu'il possède, qui il connaît. C'est pour ça que les Américains ont beaucoup, ils aiment beaucoup les films des underdogs. Underdog, c'est quelqu'un qu'on sous-estimait. Quelqu'un qu'on ne pensait pas qu'il pouvait faire quelque chose. Et après, il sort, bam! Oh my God, c'est lui qui a l'immeuble-ci. C'est lui qui est le patron de ça. C'est lui qui connaît telle personne. Mais il a le numéro du. Le président vient même chez lui pour. Le francophone aime qu'on l'impressionne du premier coup. Et je vous ai toujours dit, je ne vous donnerai pas cette satisfaction. Ceux qui m'ont rencontré physiquement. Parfois, tu me vois, hein. Si c'est pas que tu connais mon visage, tu peux pas savoir que c'est moi. L'énergie que vous perdez à vouloir impressionner très tôt les autres personnes. Parfois, ça peut être ton entourage, ton voisin. Parfois, vous pouvez avoir des voisins. Tu es dans un immeuble, on connaît tous combien le loyer coûte là-bas. Mais toi, étant donné que je voyage beaucoup, je n'ai pas besoin de voiture particulièrement. Hein. J'arrive, si je veux la voiture, je loue la voiture pour la journée. Je loue pour 2 jours, je fais ce que j'ai à faire. Mais quelqu'un va venir. Commencer à se comparer à ses voisins. Ok, comme mon voisin a ça, il me faut ça. Tu ne connais pas les ressources de ton voisin. Tu ne connais pas les projets de ton voisin. Tu ne sais même pas si la voiture on lui a donnée. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas si c'est une voiture de location. Peut-être sa tante a voyagé, elle lui a donné sa voiture. Tu te retrouves dans un combat fictif. Ça, c'est les francophones. Qui ne va t'amener nulle part. Le francophone aime mentir, impressionner, blaser et il n'a rien dedans. Ce que tu mets dedans et que tu vas mettre pour ton année de 2023 dans toi, c'est ça qui va parler pour toi dans 5 ans. Ce que tu désirais pour 2022, c'était pourquoi? Tu voulais te marier pourquoi? Il veut aussi que mes soeurs, ma petite soeur s'est mariée, ça fait 2 ans. L'autre jour, je consulte une dame. Elle me dit, quand elle rencontre son mari, ça fait 14 ans. Le monsieur, elle s'entend, il avait déjà des enfants d'une relation précédente. Il ne voulait pas avoir d'enfants. Ils sont tombés d'accord. Quelques années plus tard, c'est-à-dire environ 8, 9 ans plus tard, sa nièce vient l'insulter. Ouais, on ne peut pas, tu ne peux pas parler, c'est parce que tu n'as pas d'enfant. Ah, il me faut un enfant. Je vous assure, la femme a passé les 2 prochaines années, je ne sais pas combien de temps, à chercher l'enfant. Elle est partie dehors, quelqu'un lui a donné l'enfant. Elle sait pas qui est, elle s'en fout du père. Elle ramène la grossesse dans le mariage. Elle dit à son mari, je voulais l'enfant, comme je ne voulais pas, je suis allée faire l'enfant dehors. Est-ce que vous imaginez la sueur, la souffrance, les batailles mentales que la femme a dû endurer? Et ce qui gêne le francophone ne pense pas que tu peux réussir dans la droiture.
Alexis, je vais t'enlever de mon direct. Hein. Tu as compris? Ton anniversaire ne m'apporte rien. Je vous ai dit que personne ne va me détourner de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Arrêtez vos trucs là. C'est ton anniversaire. Soit toi, tu traces tes plans pour ta vie. Vous avez tous les trucs très inutiles. Très inutiles. Je ne sais pas pourquoi. Il est 6 heures. Tu as un an de plus aujourd'hui. À ce moment-là, tu revois ta vie. Où est-ce que tu vas? Anniversaire. Tu n'as même pas l'argent. Tu vas chercher à dépenser l'argent aujourd'hui. Réfléchissez. Vous allez caler dans votre trou. Vous voyez que le truc, c'est que vous, de ce trou, vous accusez tout le monde. J'ai un jeune que j'ai voulu aider récemment. Ouais, tu sais, ouais. Je trouve, le premier d'abord, je l'ai rencontré. J'étais au bord de la mer l'autre jour. Et là, il venait faire son sport. L'esprit me parle à travers lui. Après ça, je lui donnais certaines sommes d'argent. Dès que je donne l'argent comme ça, il s'est dit, oh, il faut que j'ai ton numéro, tata. Béatrice, il n'y a pas de projet ici. Tu as compris, Béatrice? Je ne cherche pas les followers. Je ne cherche pas la masse. Donc, si quelqu'un tombe ici, il fait 2 minutes, il ne me comprend pas. Il se déconnecte gentiment et part. Je dis donc au jeune homme, j'ai ma ménagère qui m'a lâché. Et j'ai 2 endroits que je veux nettoyer. Cherche-moi quelqu'un qui peut nettoyer. Le lendemain, il me dit, bon, j'ai trouvé personne. Moi-même, je viens. Je dis, ok, pas de souci. On se donne rendez-vous 2 jours plus tard, après notre première rencontre. Il devait venir à 10 heures. Il me dit à 8 heures, je viens à 10 heures. 10 heures arrive, pas de nouvelles. 11 heures arrive, pas de nouvelles. 12 heures, 13 heures, je l'appelle. Il ne m'appelle pas, je l'appelle. Tu sais, je ne suis pas encore venue parce que je laisse passer. Le lendemain, on reprend notre rendez-vous. 10 heures. Il dit ok. 8, 9, 10, 11, 12, 13 heures. Je l'appelle. Je lui dis, c'est quoi, petit? Petit, j'étais vu. J'ai passé l'autre jour dans la voiture, j'étais vu. Tu es en train de vendre les t-shirts, tu sais quoi là. Il y a un endroit, c'est là où tu arrives, où tu passes, on peut arracher ton téléphone. Je te donne une opportunité 2 fois de venir travailler. Tu oublies d'abord l'heure de travail. Deuxièmement, tu n'appelles pas. Si tu viens ici, là, tu vas me voler quelque chose chez moi pour partir avec. Laisse. Laisse, bêta, laisse. Deuxième jeune homme. Je l'ai reçu chez moi, il a fait quelques jours. Ouais, tata, donne-moi telle somme pour que je puisse lancer mon business. J'ai besoin de 3 millions. Je lui dis que regarde, ça fait 3 mois. Je t'ai observé. Tu as travaillé pour moi, je t'ai observé. Ton premier salaire, tu es pas t'acheter des habits avec. Écoutez bien. Ton premier salaire, tu es pas t'acheter des habits. Depuis 1 mois qu'il a acheté des habits, là, il ne porte pas. C'est dans le sac. Écoutez bien, hein. Parce qu'on m'a parlé, vous êtes tout gnie, gnie, gnie. Je dis, mince. Le gars, si. Tu vois, je prends mon argent. Je vais te donner. Je vais te donner. Les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes dans une bulle. Vous attendez que quelqu'un vienne investir dans votre rêve. Ah, tu sais, si seulement on me donnait une chance, personne ne croit en moi. Même mes projets que j'ai, il me faut d'abord faire la formation. Ok, qui va payer ta formation? Je suis à Douala demain. Ouais, je suis à Douala demain. Actuellement, je suis à Libreville. Donc, Libreville, je travaille ici aujourd'hui. Demain, je suis à Douala. Si vous ne comprenez pas la merde dans laquelle vous êtes
Et si à 6 heures, vous êtes en train d'écouter mon direct, ça veut dire qu'il y a encore des lacunes dans votre vie. Vous aurez très... Vous allez... Décembre 2023, vous aurez honte. Je ne suis pas en train de vous insulter. Je veux que vous ayez un éveil de conscience. Je veux que vous ayez un éveil de conscience. J'observe le jeune homme toute la journée. Une semaine, je le mets à l'observation. Une partie de l'argent qu'il a reçu comme salaire, il est parti acheter la PlayStation avec. Il s'assoit de 12h à 20h sur la PlayStation. Je l'observe. Waouh. Oui, je cherche le boulot. Tu ne connais pas les endroits où j'ai déposé mes demandes. Tu as déposé la demande comment? Pas en pensée ou en parole? Parce que je t'ai vu, tu étais physiquement assis. Dieu n'est pas injuste. La nature que vous voyez là n'est pas injuste. C'est comme si on met deux personnes dans le lait. Une personne reste, soulève le pied, dit « Oh, c'est blanc. Oh. » L'autre personne commence à tourner. 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 Vous savez qu'il y aura le beurre après? Celui qui essaye. À Douala, je suis localisée à Makepe. Donc, mercredi et jeudi, je prendrai des consultations à Douala. Bonjour Christelle. Vous avez toujours... Vous attendez toujours que quelqu'un vienne vous sauver. Chaque année passe, personne ne vient. Tu n'as pas encore compris. Ouais. Tu n'as pas encore compris. Nobody is coming. Personne ne vient, ma chérie. C'est pas ton ex, c'est pas ton gars, c'est pas ton futur gars. Ta mère ne va pas t'aider. Elle-même ne voit pas clair. Moi, j'ai le cœur du lion. Ça m'a pris au moins 10 ans avant que les idées que j'avais, que je commence à voir, comment ça se concrétise. Ceux qui me connaissaient avant, les gens de ma famille se moquaient même souvent de moi. Non? Hé, maman, un énième. Elle a encore lancé quoi ces derniers temps? On sait que tous les 3 mois, je suis fait quelque chose. Je faisais que sauf. Je faisais que sauf. Je vous assure. On fait un coup, pam, je suis en train de vendre ceci. Un coup, on me voit seulement en train de vendre tel autre produit. Après, on dit, oh, elle a fait le coaching. Oh, elle a ouvert l'école des enfants. Oh, elle passe à la radio. Oh, ok. Bonjour, Monica. En anglais, on dit, keep grinding. Continue de tourner, continue d'écraser, continue de pousser, continue de chercher. Maintenant, quand tu cherches, tu dois être... Je vous ai donné tellement de conseils financiers. Il y a des gens sur qui tu accumules même 2 millions, 3 millions. Au lieu de partir mettre sur un bon projet, quelqu'un vient prendre ton argent, pam, parce qu'il a bien parlé. Ou il t'a bien fait l'amour. Tu vois comment ton argent part. 2023, c'est là. Ma chérie, tu dois te décider que... Je veux aussi voir ma voiture. Je veux aussi voir mon entreprise qui va prospérer. Je veux aussi voir... Est-ce que vous savez que le but même, ce n'est pas seulement de se lever et dire que je suis parti en France. Je peux pas, je peux quitter si je pars en France, je pars en Australie, je pars au Canada, je pars à Washington pour le business. Parce que les gens croient que c'est vraiment parti en bain. Je suis parti en bain. J'ai le passeport, le visa. Le temps là est passé. Le temps où quelqu'un disait que je suis en train de partir en Europe. On dit, waouh. Tu pars en Europe faire quoi?
Parce qu'il y en a parmi vous, tout pourvu. Mais tu as les 5 millions que ton père veut mettre sur ton argent, sur ton transport, ton voyage là. Tu prends ça, tu déposes même 3 millions d'abord en banque. Tu prends 2 millions sur ça, tu commences un business. Les 3 millions là, c'est le derrière d'abord. C'est le backup plan. Et c'est que vous, oh non, je veux faire le business de 5 millions. Je vais faire le business de 5 millions. Commence-moi d'après 500 000. Et tu dis que tu ne vas pas toucher les 4,5 millions qui sont en banque là. Tant que les 500 000 là ne survivent pas seuls. Ce n'est pas d'argent que vous avez besoin. Vous avez besoin d'une vision. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux devenir? Quel impact je veux laisser? Si je meurs en février 2023, on va dire que j'aurais fait quoi sur la terre? On va dire que moi, je sais que, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Qui va me pleurer? Qui va me chercher? J'ai souvent des jeunes, je m'assois comme ça et je leur dis, ok, voilà les projets que j'ai pour faire des dons, pas seulement dans les orphelinats, dans ceci. Tu vois, la personne reste comme ça là. Merci pour le cadeau, Monica. Genre, il ne comprend pas de quoi je parle. Parce que dans la mentalité du France francophone, je n'ai même pas d'abord, on doit me donner. Gimme. Je veux, donne-moi. Voilà tout ce qu'il y a dans la tête. Voilà tout ce qu'il y a dans la tête des jeunes aujourd'hui. Dès que tu l'entends, je n'ai pas, mon père ne m'a pas donné, mon gars ne me donne pas, oh, ma mère ne me donne pas, oh, ok. Toi, tu donnes à qui? Tu as impacté la vie de qui? Si tu meurs aujourd'hui, qui va te pleurer? En ce qui concerne investir dans les projets, j'ai fait un direct là-dessus la semaine passée. Ma page Facebook, c'est The Give Digger Academy. Je crois que j'ai bien parlé là-dessus. Si tu économises ou si tu prends un crédit à la banque, ton argent, c'est une sueur de ton front. Même si tu vas payer plus tard ou bien que tu as déjà cotisé avant pour payer, pour avoir cette somme-là. L'argent qu'on a économisé, on ne le dépense pas n'importe comment. On ne l'investit pas n'importe comment. Est-ce que tu investis avec quelqu'un qui est au téléphone? Oh, c'est mon cousin, non, on a grandi ensemble. Ton cousin a quel revenu mensuel d'abord? Je ne peux pas mettre mes 20 millions avec toi si il ne voit pas au moins tes 5 millions à terre. S'il ne voit pas comment chaque mois tu as au moins 700 000, 900 000 ou 1 million. Parce que peu importe ce que tu me promets sur mes 20 millions, tu te trompes. Et voilà les erreurs capitales que vous faites souvent. Vous croyez à la fée, à la bonne fée. Cotiser l'argent, c'est pas difficile. Hein. Cotiser l'argent, c'est pas difficile. Tout le monde peut cotiser cela. Maintenant, tu dois d'abord cotiser, maintenir et multiplier l'argent. C'est trois domaines différents. C'est de l'art. It requires skill. Ça demande des compétences. Même de l'expérience. Combien de fois tu as cotisé? 5 000 euros, 10 000 euros. Et quand tu regardes au fil des années, tu as acheté les terrains avec partie en fumée. Non, je vais encore faire. Ça te prend encore 18 mois. Tu cotises encore l'argent. Hop, en fumée. Tu n'as pas encore retenu la leçon? Qui t'a parlé? Who talked you into buying that stuff? Qui t'a conseillé d'acheter ce terrain? Est-ce que la personne-là, c'est 10 terrains d'abord à côté? Parce que le problème du jeune aujourd'hui, on va laisser même les francophones,
Vous ne voulez pas faire votre travail. You don't want to do your homework. Tu crois que tu vas prendre 20 millions, tu vas donner, quelqu'un va te produire 5 millions par mois. Voilà ce qu'il t'a promis avant de prendre tes 20 millions. Tu as suivi bêtement. Bêtement. On fait tous des erreurs. Bonjour Ira. 2022 était une année d'éveil. C'était une année de prise de conscience. C'était une année de, on dit en anglais, self-realization. Donc je me suis rendu compte de moi. Je me suis rendu compte que, en fait, ce qui ressort de ma vie dépend de moi. Si demain, j'achète une maison, si demain, j'ai une promotion au boulot, si demain, je peux acheter une voiture, en fait, c'est moi. Bonjour Rachel, merci pour les fleurs. Vous avez trop donné votre pouvoir aux gens. Parce qu'après avoir pris conscience de là où tu es, tu soulèves ta tête. Petit moment, bonjour. Tu soulèves ta tête. Et comme je le disais tout à l'heure, tu décides de là où tu veux partir. À partir d'ici, je sais d'où je viens, ok? J'ai échoué là-bas, je me suis mariée 3 fois, j'ai 3 enfants, j'ai fait 3 business, ça n'a pas donné. D'accord. Et c'est une question qui est très difficile. Quand tu vas te poser cette question, assure-toi que tu es seul dans la pièce. Parce que malheureusement, vous allez avoir des personnes qui ne s'y connaissent pas, qui vont vouloir vous conseiller. Récemment, je me suis retrouvée en train de vouloir prendre une décision assez importante avec quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas. Et là, je dis, mais c'est moi qui suis bête là. Qu'est-ce que je fous même comme ça? Qu'est-ce que je fous? Et la finalité de la vie, ce n'est pas d'avoir le visa pour un pays. Le visa de 3 semaines et de partir là-bas pour commencer à souffrir. Est-ce que c'est ça votre problème, vous les gens qui vivez en Afrique? Les gens prospèrent en Afrique. Il y a des gens qui partent en Europe seulement pour se balader. Ils reviennent. Visualisez-vous. Voyez-vous aussi en train de faire de grandes choses, non? Waouh! Oh, waouh! Je me vois en train de partir. J'ai une dame que je suis, une Gabonaise que je suis. Elle a fait récemment quelques jours aux États-Unis. Et je crois que là-bas, elle a loué une voiture de luxe, quelque chose comme ça. Elle a fait des posts. Elle a mis sur son TikTok. Et cette femme-là, c'est l'une des Gabonaises que je suis qui est très down to earth. Elle s'appelle Linda Bongo, je pense. Elle est très down to earth. Elle vous dit les choses comme ça. Elle n'est pas là pour vous blaser. Je crois 2 jours plus tard, elle fait une vidéo où elle dit « J'ai loué la voiture. Que vous aimez qu'on vous blase. Quand en Europe, presque rien, tu pars, tu prends la voiture, tu loues. Que quand les influenceurs viennent, ils louent les voitures comme ça, là, ils vous montrent, vous croyez qu'ils ont acheté la voiture. » Tu peux tracer ce que tu veux faire pour ton futur. Tu t'assois, tu dis, ok, qu'est-ce que je veux pour 2023? Je me vois où? En train de faire quoi? Ce que j'ai déjà mis sur pied, est-ce que ça prospère? Est-ce que je vois comment ça essaie d'avancer? Et écoutez, le pouvoir est dans votre main. Parce que je sais que ça, c'est votre problème là-bas. Vous croyez toujours que c'est quelqu'un d'autre. Récemment, j'ai consulté 2 personnes. Et je me suis rendu compte que certains d'entre vous ont une mauvaise conception de moi.
Voici comment notre entretien commence. Bonjour, voilà, je voulais que tu me prédises mon futur. Je dis, what? WTF, what? Est-ce que tu écoutes même mes vidéos? Je ne suis pas comme les marabouts habituels là. Moi, je viens te déchaîner de la dépendance spirituelle. Donc, je ne vais pas te déchaîner ailleurs pour que tu viennes encore t'enchaîner chez moi. Non. Je n'ai pas la force pour vous tirer derrière moi. Je n'ai pas la force là. Il y en a parmi vous qui ne pouvez pas vous lever comme ça là. Vous écoutez un message. À partir de là, vous prenez une décision. Ou bien quand tu écoutes le message, ça, Dieu te parle. À partir de ça, tu prends une décision. Non, non, non. Le gars commence à me dire, ouais, on m'a dit que telle personne m'a ensorcelé. On m'a dit que telle personne m'a envoûté. J'écoute seulement. Oui. Oh, il voulait seulement me mettre que je meurs. Oh, j'ai dit que waouh. Donc c'est tout ce qu'il y a dans ta tête toute la journée. Je te demande au monsieur, est-ce que tu écoutes mes vidéos? Bon oui, dis-moi, je voulais faire dans la politique. Est-ce que ça va marcher? Il dit, wonderful. Wonderful, 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 wonderful. Si Dieu a mis dans ton cœur de faire la politique, tu sens que ton appel est dans la politique. Moi, je viens, je te dis, non, ne fais pas la politique. Tu vas laisser. Parce que moi, je t'ai dit sur ta vie. Où est votre force? Pourquoi l'Africain est toujours concentré de lui dire ce qu'il doit faire? Pourquoi l'Africain n'aime pas la liberté? Bonjour, bonjour à ceux qui viennent de se réveiller. Oui, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Dis-moi, qui m'a fait ça? Hein? Dis-moi, c'est qui? Il dit, ouais, c'est comme ça. Vous voilà. C'est comme ça que vous faites. Vous passez le temps à donner 5 000 chez les marabouts. On veut, oh, c'est ta tante qui voulait. Ouais, oh, c'est ta tante. Et on met ta tâche, tu peux mettre ta mis dans la bouteille. Oui. Après t'avoir dit ça, il ne te dit pas comment te sortir de la bouteille. Il te dit seulement que tu es dans la bouteille. Il te dit qui t'a mis dans la bouteille. C'est tout. Te voilà. En sortant de chez lui, tu es dans la bouteille. En tu dors la nuit, 3 heures. Ah, je suis dans la bouteille. Hé, hey, donc c'est tonton Jean là. Hé, hey, maman, donc c'est tata Joséphine. Maman. J'ai toujours su que la femme me détestait. Tu dis à ton mère, à ton mari. Chérie, je suis allée voir le père là. Il m'a dit que c'est telle personne qui nous a mis dans la bouteille. Le mari ne demande pas. Hein, qu'on fait comment pour sortir de la bouteille? Dans lui aussi, dans la journée, il porte ça dans sa tête. Hey, donc je suis dans la bouteille, ma femme. Mais on est dans la bouteille. Je veux que vous voyez la prison dans laquelle vous aimez être. La prochaine fois, vous partez chez eux. J'ai une amie qui est allée chez un autre comme ça une fois, non. L'ami savait, la fille savait que là où je suis, là, le travail spirituel que j'ai fait depuis 8 mois, ça m'a libérée. Que je sais que je suis libérée. Son frère lui dit, non, viens d'abord chez le monsieur, sinon. Et quand elle a commencé son travail, elle a commencé à dire à son frère que, lave-toi avec le sel. Fais comme ça. Son frère, non, il y a un père au village là qui me suit. Il y a un père qui me suit. Le père là, il est le père là. Le père là suit son frère depuis 5 ans. Son père a demandé le visa. Son frère là a demandé le visa même, je ne sais pas, même 4 fois on a refusé. Rien dans la vie de son frère ne marche.
pour faire plaisir à son frère, pas. Et pas. Elle arrive. Elle venait se marier. Genre, ça faisait 2 semaines, 3 semaines qu'elle était mariée. Elle écoute seulement, non. Le père commence. Ouh, je vois les voiles noires sur toi. Ouh, on t'a attaché. Ouh là là. Ouh. C'est pour ça que quand vous partez voir les gens là, ne venez pas chez moi. Je vous dis moi. Ne partez pas chez eux, vous prenez les diagnostics venant comme voir. Pardon. Allez avec. Vous avez donné 5 000 là-bas. Quand vous demandez 50, vous avez commencé à dire gna 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 gna. Restez avec. Partez payer 5 000 là-bas. On vous met les voiles sur vous. Voilà, la reine fausse te dit que d'autres t'appellent même pour te dire que j'ai vu. Quand le foirage le gère, il appelle tous ses anciens clients. Comme la, il y a une anacreuse ici là sur Facebook, non. Elle a pris le logo de mon entreprise, elle a mis sur sa page. Elle contacte les gens, j'ai vu un truc sur toi. Je ne vous contacterai jamais pour voir les choses sur vous. Je n'ai jamais vu quelque chose sur vous, mais je vous dis. Je vois le succès sur vous. Ok? Je vois le succès, je vois l'augmentation. Donc le père lui dit, oh non, ton traitement va durer. Hein. Non, il parle. Plus il parle, plus sa tête s'attache. Plus il parle, plus ça s'attache. Quand il reste au conseil, il dit, non, je connais ce que Dieu m'a dit. Je connais ce que Dieu m'a dit il y a quelques jours. Après, il dit, oh, pour l'enfant. Non. Pour que tu conçoives, ce sera dur. On a attaché tes trompes. On t'a bloqué. On t'a... Tiens. Quand la fille sort de là, Dieu lui dit, quand elle est à la porte, que ne lui donne pas 2 000 qu'il a demandé, donne-lui 20 000. Tu pars, tu ne passes plus jamais ici. Elle a dit à son frère que, écoute, ne m'amène plus jamais chez tes gens ici. Ne m'amène plus jamais. 2-3 jours plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte. Donc quand le monsieur là disait qu'on l'a attachée, qu'elle ne peut pas tomber enceinte là, elle était déjà enceinte. Et Dieu lui avait donné quelques signes pour lui dire que ma chérie, ton travail a marché. Apprenez à vous connecter vous-même à Dieu. Les gens qui sont avides de mauvaises nouvelles là. Mais là, tu pars, tu prends, achète le truc au marché, tu colles sur ton visage. Tu mets toi-même le voile sur toi. Comme ça, c'est que j'ai mis mon voile moi-même sur mon visage. Elle est sortie de là, elle a dit à son frère que papa, ton genre d'endroit, c'est que tu m'amènes là. Non, pardon. Comme je sors comme ça là, Dieu m'a dit que je ne passe plus moi ici. Il dit qu'elle n'a pas fait 3 jours. Elle a découvert qu'elle était enceinte. Alors que le monsieur était en train de lui dire, ça fait 3 jours qu'elle ne va pas tomber enceinte. Le truc, c'est que parmi vous, il y en a qui sont tellement à vous aimer ça. Donc c'est comme si vous regardez le truc. Quand on te donne les mauvaises nouvelles sur toi, c'est comme si tu t'asseyais, tu prenais le pot, quand tu regardais le film. Ah oui, on m'a bloqué. Oui, c'est qui? Ah, elle a fait ça quand? Quand j'avais 5 ans. Oui, qu'elle était partie en vacances chez elle là. Vous aimez ça? Oui, elle a fait comment? Ah, c'est ça, je savais. Je savais. Je vous ai bien précisé. Il y a le travail que vous devez faire sur vous-même. Ne t'es pas dit de partir seulement à la maison du temps. Oh, notre Père que Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Il y a le travail. Actuellement, on est en train de cotiser l'argent pour aller faire les dons aux orphelins et tout ça. Certains, je vous enseigne, il y a des principes spirituels qui vous sortent des blocages. Il y a des actes que tu poses. Que même si on a mis n'importe quelle brique sur toi, n'importe quel parpaing sur ta tête, ça va se désintégrer, ça va se casser, ça va seul. Mm-hmm.
Il y a des années, tu es parti avec ton fils. Dès ton arrivée, ton fils dit que maman, c'est le fée. Quand il arrive, le monsieur met la calebasse. Ouais, Seigneur. Quand il voulait prendre cela, ça s'est cassé. Il a grondé l'enfant jusqu'à. Et il a sorti. À la sortie, tu as secoué les pierres. Ouais, Seigneur. Vous-même, là, vous cherchez souvent. Vous cherchez. Souvent, tu cherches dans le cas, tu dis que, yeah, que je partais où? On t'amène souvent dans les marécages. Tu passes, tu dis, hey, si le serpent me mord, il se lève, tu dis que je partais où? Hey. Après, tu arrives, tu entres dans un endroit comme ça, là, que tu pousses seulement les feuilles comme ça, là, tu fais comme ça, là, tu fais comme ça, là, avant de passer. Tu entres. Je vous ai dit que vous n'allez pas me conformer à ça. Je ne vais pas. C'est les gens qui arrivent souvent, non? Un jour, une femme vient avec son copain, son fiancé. Ils arrivent à Macapé. Elle s'assoit dehors. On vient dans mon bureau, me dit que madame, elle dit qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut plus se faire consulter, elle veut partir. Je sors, je vois la dame, je dis que c'est quoi? Elle dit que non, l'endroit c'est trop bien. Non, 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 ça sera trop cher, que c'est trop bien. Je dis, ah, vous êtes habitué à partir dans les petites cabanes où on a mis les feuilles, les contrevents. C'est ça que vous voulez, hein? Je dis, ok, maman, si tu penses que c'est pas le genre là ici. Si c'est ce genre que tu cherches, il n'y a pas. Faut aller, je ne sais pas, mais c'est pas ici. Parfois, la personne qui te donne même le conseil, il faut aussi que tu regardes d'abord ce que la personne a fait. Il faut d'abord que tu voyes. Et vous avez le discernement. Hein. C'est moi que souvent vous faites comme si votre tête là ne tient pas. Bon, le numéro pour l'orphelinat. Elle dit que l'eau est dans un seau sale. Ouais, Seigneur, la reine fausse de toi, c'est là, dans le seau qui est sale. Bon, pour les dons à l'orphelinat, vous envoyez au numéro suivant. Je vais vous donner le numéro. Ceux qui sont, donnez-moi votre pays. 600, pour le Cameroun, vous faites les dépôts MTN sur le numéro 680 71 07 01. France, États-Unis, je vais vous montrer comment faire. Vous allez envoyer par PayPal. Si vous pouvez faire PayPal, vous me dites, il y a PayPal, il y a SendWave, il y a TapTapSend. Donc PayPal, SendWave et TapTapSend. Et quand vous finissez de vous faire la capture d'écran et vous envoyez, vous nommez sur PayPal, tu peux écrire que ça c'est un don pour l'orphelinat. Sur TapTapSend, tu envoies, après tu captures l'envoi et tu envoies par message. Tu dis, ça c'est pour le don de l'orphelinat. Donc, TapTapSend, vous envoyez au 00, donc plus 237 680 71 07 01. Et le nom, c'est Jocelyne. Le prénom, c'est Jocelyne. Le nom de famille, c'est Kouwo. Jocelyne Kouwo. Kouwo. Ça, c'est le nom que vous devez mettre dessus. Parce que TapTapSend vérifie les identités. Donc, Kouwo. Maintenant, si c'est PayPal, 2266 aussi, c'est un autre numéro. Oui, ça c'est Orange. Vous m'envoyez sur ça. Donc, je n'ai pas donné ce numéro-là encore. C'est plus, je vais le donner dans quelques instants. Donc, pour l'instant, je donne d'abord le numéro MTN. Donc, plus 237 680 71 07 01. Donc, ça c'est le numéro MTN. Vous envoyez dessus. Et vous faites un message à ce même numéro WhatsApp. Vous dites que voilà, ça c'est pour le don de l'orphelinat. Donc ceux qui veulent physiquement venir, j'ai prévu que ce soit le 20. Je ne sais même pas quel jour de la semaine le 20 est. Je vais regarder le calendrier tout à l'heure. Mais ceux qui veulent venir, vous devez m'écrire inbox et me dire voilà, vous voulez venir avec moi. Comme ça que je puisse. Parce que je prévoyais qu'on arrive là-bas et qu'au lieu de faire seulement le don, qu'on fasse un petit atelier avec les enfants. Maintenant, le deuxième numéro orange pour envoyer. D'accord, le 20, c'est un mardi. Merci, chérie. Donc, le deuxième numéro, c'est le plus 237 693 50 22 66. C'est le même nom, Kouwo Joseline. Donc, Kouwo Joseline. Joseline. Donc, ceux qui ont PayPal, vous devez envoyer par. C'est un compte anglais.
Par contre, qui est domicilié en Angleterre. Donc, le nom, c'est Aurélie, A-U-R-E-L-I-E, Aurélie Michel, M-I-C-H-E-L-L-E. Donc, Aurélie avait E à la fin, Michel avait deux L-E. 2017, @gmail.com. Maintenant, si vous avez des dons en nature, si vous avez des jouets, pour les habits, n'apportez pas les habits sales, 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 je vous en prie. Parce que je me suis rendu compte que souvent les gens croient que comme c'est des orphelins, ça veut dire qu'on va venir lancer la saleté sur eux. Je vous en prie, retenez-vous de faire ça. Ce qui va prendre pour les donner, je vous dis moi. Donc je pense quand même qu'il y a un peu de décence là-dedans. Quand tu veux faire un don à quelqu'un, fais quand même quelque chose qui est beau. Quand la personne va porter aussi, elle va dire que yé, yeah, merci mamie. Donc je vous encourage aussi. Ceux qui ont dans votre village, vous pouvez faire un don dans une école de votre village. Ça, c'est la semaine des remises de bulletins. Donc, cherchez une école dans votre village, une petite école primaire. Vous pouvez faire le don de cahiers, quelques cahiers. Vous pouvez faire un don de 20 000 là-bas à l'école. Ou bien avec les 20 000, on achète les biscuits, les bonbons, on remet ça aux enfants le jour-là. Tu demandes au directeur ce qui va passer, ce que les enfants ne vont pas trouver bizarre, ou les parents. Il y a beaucoup de façons d'attirer sur vous des bénédictions. Je dis bien, vous partez dans votre village natal. Ça peut être Batoufam, ça peut être Bayangam, ça peut être Bashingu, ça peut être Bajoun. Il y a toujours des missions catholiques avec les écoles à côté. Donc tu demandes, tu envoies quelqu'un, il cherche l'endroit. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, vous n'avez personne qui peut vous guider, contactez-moi, je vais envoyer quelqu'un pour chercher, vous donner le nom du village, un truc comme ça là. Ça peut même ne pas être votre village natal. Je pense que une meilleure façon de redonner à notre société, c'est en aidant les enfants. Mon cœur va beaucoup sur les enfants. Parce que c'est là que la vision commence. C'est là. Tu peux planter un rêve dans la tête d'un enfant. Et 20 ans plus tard, l'enfant là te dit, je suis devenu ce que je suis. Parce qu'un jour, j'avais rencontré une tata. Elle m'a dit ça. Ou elle m'a dit ça. Et beaucoup d'entre nous, on manque de vision parce que personne n'a planté en nous. Malheureusement, c'est à 35 ans, 38 ans qu'on est en train d'essayer, que je fais les vidéos pour essayer de mettre quelque chose dans ta tête. Et au départ, j'avais, il y a cela 2-3 ans, je n'avais pas d'argent. Je ne pouvais pas aller dans une école faire des dons financiers. Je ne pouvais pas te dire que je vais aller là-bas donner 50 000 parce que je n'avais pas d'argent. Bonjour, depuis le Gabon. Bonjour, sire. Et ce que je faisais, je partais là-bas, je demandais des espaces pour parler aux enfants. Et Dibam, je n'irai pas personnellement, mais j'ai du personnel sur place. Donc, tu envoies l'arme du transport, je peux envoyer quelqu'un, il va. J'ai un personnel qui est très dédié. Vraiment, je crois qu'à la fin d'année, je vais vous présenter un peu mon personnel. J'ai des personnes formidables avec lesquelles je travaille. Ils sont très dédiés, qui font vraiment le travail avec amour. Parfois, quand je reste comme ça, je remercie seulement Dieu pour eux. Donc, je partais souvent dans les écoles comme ça, ou bien orphelinat. Je demande l'espace pour parler aux enfants. J'explique ce que je fais. Je n'avais pas une page qui était connue, je n'étais pas encore connue, vraiment. Je ne peux pas te dire que j'avais 8000 followers, non. Mais j'avais compris que si je me rappelle, j'ai parti en enfant l'année passée, fin 2020 ou début 2021, début 2021, l'année passée, j'ai cherché les photos. Je suis allée pendant 2 jours au collège Nanfa qui se trouve en face du parcours Vita. Je suis arrivée là-bas, j'ai vu le censeur ou l'un des principaux, un truc comme ça. Je lui ai demandé si je peux parler aux enfants de première et terminale. Je suis venue 2 fois parce qu'il fallait être assez convaincante pour le convaincre, on va dire comme ça. Finalement, il a accepté comme ça là. Donc, pendant 2 jours, je suis venue, j'étais seule d'ailleurs. Je suis venue parler aux jeunes.
Et tu avais des gens en terminale qui te disent, bon voilà, je vais composer le bac dans 4 mois. Je demande, ok, après le bac, tu fais quoi? Tu veux devenir quoi? Et tu vas voir, je vais aller à l'université. Tu vas faire quoi à l'université? Je me suis rendu compte que notre jeunesse camerounaise manque de vision. Donc, j'ai fait ça l'année passée. Cette année, bon, 1 an plus tard, et je me rappelle, mes séances avec les jeunes étaient, ça s'est très bien passé. Donc, cette année, un jour, je vois une fille qui m'écrit sur Facebook. Elle me dit, Tata, tu étais venue dans mon école. Tu nous avais parlé le jour-là, ça m'avait plu jusqu'à. Et je dis, ah bon? Elle dit, oui, elle me rappelle, elle me décrit encore toute la scène. Et c'est là que je me suis dit, j'ai toujours senti dans mon cœur, tu ne connais jamais comment tu impactes quelqu'un. Je dis encore, on n'impressionne pas les gens avec des voitures. Moi, personnellement, je ne trouve pas l'utilité. C'est pas en allant garer une grosse voiture au lycée, sortir avec les codes. C'est pas, pour moi, c'est pas ma vision, ça. C'est pas ma vision. Ce n'est pas en achetant les gros, les habits à l'enfant. Ma fille connaît les livres qu'elle doit lire. Moi, je blague pas avec elle. Chaque mois, je donne un livre. Tant que tu n'as pas lu le livre, tu vas voir. Mais te fouetter comme ça, Voilà Noël, non. Elle est en congé bientôt, non. Elle va me lire moins 3 livres. Parce que je suis convaincue que ce que tu plantes dans quelqu'un, à l'intérieur, ça va grandir. Et quand ça va arriver à maturité, tu vas rester comme ça, tu vas seulement voir les fruits qui vont sortir. On dit, waouh, ça sort d'où? Ça sort d'où? Il y a quelqu'un qui avait pris du temps pour semer dans cet enfant. Quelqu'un a pris du temps pour gronder cet enfant, pour le corriger, pour faire que cet enfant fasse ce qui est bien pour son futur. Et ce n'est pas seulement partir à l'école. Parce que vous, quand vous envoyez l'enfant à l'école, oui, j'ai payé ton école à 500 000, non. Ben voilà, c'est tout ce que c'est mieux que je puisse faire pour toi. Non, that's not it, ce n'est pas tout. Il y a certains de vos enfants que vous savez que les enfants là aiment la saleté. Donc, tu dois être toujours derrière l'enfant là. Gronder, oh, tu dois gronder. Taper, même où tu dois taper. Punir, tu dois punir. C'est ce qui vous a manqué. Vous avez manqué quelqu'un qui va vous fouetter quand vous étiez petit. Vous avez manqué quelqu'un qui va. Mais attends un peu. La personne te trouve, tu es en train de jouer dans la cour. Tu joues que tu joues quoi? Tu as appris, tu n'apprends pas pourquoi? Tu n'es pas dans tes cahiers pourquoi? Allez, tu tapes bien les fesses de l'enfant là. Rentre dedans. Il va te détester pendant qu'il est en train d'étudier. Mais tu es en train de mettre une éthique de travail dans l'enfant. Tu es en train d'insérer le travail dans cet enfant. J'ai aménagé une fois chez une dame. Au Cameroun, j'ai fait en 2 ans au Cameroun, j'ai déménagé 8 fois. Je vous dis mon instabilité quand je venais d'arriver au Cameroun. En 2 ans, j'ai déménagé 8 fois. Entre 2 trucs, j'ai dormi dans ma voiture. Entre 2 trucs, j'ai galéré. Oh my God. Dormi au sol sur la natte, dormi ceci haut. Et je me rends compte que beaucoup d'entre nous, on manque de persistance. Donc, quand j'ai aménagé chez cette dame, elle vend les beignets jusqu'à aujourd'hui. On est mardi. Si vous allez à Saint-Tropez, à Makepe, vous avancez vers l'entrée d'Ecopressing, avant Marie-Lumière. En face d'Ecopressing, de l'autre côté de la route, vous allez voir une dame qui est en train de faire les beignets. Elle s'appelle Aurélie. C'est l'homonyme de ma fille. Cette femme-là, dans la rue où elle entrait faire ses beignets, elle a une villa. Elle a une villa.
quand j'avais perdu mon premier investissement que j'ai fait sur une villa au Cameroun que je voulais, où je voulais faire l'école. Après, on m'a mis dans la cellule, quand on m'a sorti de la cellule, il me restait presque plus rien. J'ai supplié le papa, le mari de cette femme. C'est pour ça que je tombe chez lui avec l'agent immobilier. Je lui dis, monsieur, papa, vraiment, je sais que tu veux tel nombre de mois de loyer, mais voilà tout ce que j'ai sur moi. Si tu peux me permettre, donne-moi un mois, le temps qu'il me remette. J'ai passé dans cette maison-là presque 6 mois de dépression. Il m'a permis, après 3-4 semaines, j'ai fini de payer. Parce qu'au Cameroun, tu l'as payé 8 mois ou 10 mois. Il a permis que je paye 8 mois. 8 mois de loyer et 2 mois de caution. J'arrive chez eux, je vois son mari officier de police. Elle va en les baigner. Je vois la maison qu'ils ont construite. Je dis, waouh, ok. Le matin, ses enfants se réveillent à 4h30. Ils vont cirer toutes les mamies de la maison. Il dit que quand tu vois les mamies que les enfants ont séchées, l'un a 15 ans, l'autre, je crois que la petite a 14 ans maintenant, l'année passée, elle avait 13 ans. Et le garçon avait 15 ans, maintenant il a 16 ans. Donc, je crois qu'il y a 2 ans d'écart entre eux. 4h30, les enfants là sont debout. Tu fais un peu que ni, tu entends comment la mère en train de le fesser l'enfant en bas là-bas, que pam, 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 pam. Que je dois aller vendre les beignets à telle heure. Donc vous devez vous lever, vous nettoyer toutes les marmites. Il y a l'autre qui devait même tourner la bouillie. Il connaît déjà sa procédure. Le samedi, vous ne partez nulle part. Vous asseyez, vous vendez les beignets avec elle. Elle dit qu'il y a souvent les samedis où ça, quand ça ne va pas, peut-être ça là. Ça, c'est sa fille de 14 ans qui vient s'asseoir pour vendre. C'est son fils qui vient aussi se mettre là-bas. Un jour, elle m'a raconté son histoire. Elle me dit qu'elle a eu le terrain d'abord avec son mari. Ça fait 25 ans qu'ils ont acheté le terrain. Actuellement, ils sont parmi les maisons des riches là-bas à Maquette. Quand tu regardes la rue dans laquelle ils sont. Au départ, ils ont construit un seul. Donc, ils ont déterminé que devant, ce sera la maison principale. On ne touche pas pour l'instant. On va faire les dépendances derrière. Donc, ils ont construit d'abord le bas. Et dès qu'ils ont construit le bas là, ils ont vécu là-bas 7 ans. 7 années. Et elle dit qu'à une époque, quand ils venaient de construire, leur priorité d'abord c'était de faire la barrière. Quand ils ont fait la clôture, ils ont dit ok, à l'intérieur, même si on fait, il n'y a pas les portes, même si le sol n'est pas cimenté. C'est comme ça que pendant qu'ils vivaient en bas, pendant les 7 ans là, ils cotisaient l'argent pour construire le haut. Ils cotisaient l'argent. Donc, ils ont fait un rez-de-chaussée, premier niveau, deuxième niveau. Donc, c'est quelque chose qui a deux étages. Donc, chaque appartement a 2 chambres. Quand ils ont fini les 7 ans là-bas et qu'ils avaient fini, ils ont mis les locataires en haut. Pendant qu'ils ont mis les locataires là-bas, ils ont maintenant commencé à lancer la fondation de la grande maison. Et elle me dit qu'ils sont entrés dans la grande maison, ça fait 15 ans. J'ai aménagé chez eux le mois où ils lançaient le carrelage de la maison. Mais je te dis qu'il a fait presque 1 an et demi pour acheter tous les carreaux que tu vois là. Ils ont pris, le monsieur qui carrelait, ça a pris presque 2 mois. Il a carrelé tout le portail. Il a carrelé toute la maison. Vous savez qu'à Douala, avec la moisissure, le meilleur truc que tu peux faire sur tes murs, c'est de carreler l'extérieur. Le jour, elle s'assoit et me raconte leur histoire. Elle dit que ne me regarde pas comme ça. Tu crois que mon mari et moi, on a eu le jackpot en une fois, on a tout conçu. Elle dit non. Elle dit que la femme là est assidue. Chaque matin, tu vas la voir en train de vendre ses beignets. Ce n'est pas qu'elle a une urgence au village. Assidue, fidèle, travailleuse. Et quand tu viens, tu veux l'insulter, que ah, tu es en train de vendre les beignets. Elle te dit, mamie, pardon, tu vas acheter mes beignets, tu pars. Pardon. Supposons qu'elle se fait le bénéfice de 10 000 seulement par jour sur ces beignets qu'elle vend. 10 000 fois 5 jours, ça fait combien? Parce qu'elle vend 6 jours, pas 5 jours, elle vend 6 jours. Ça fait 60 000 par semaine, non? Multiplie par 4. Ça fait 240 000 par mois, non? Hmm? Je compte mal.
Quand tu vas passer, tu vas la voir faire les beignets. Et je vous rappelle qu'ils n'ont pas la voiture. Son mari n'a pas la voiture. En cause de ça, sa maison n'a pas mis l'espace de la voiture. Donc, il n'y a pas le parking. Il y a cela des années, lui et sa femme, ils ont décidé que B, on n'aura pas la voiture, non. Il dit oui, oui, B, construisons la maison. Ayez vos objectifs. Tu vas vous dire que quand on va venir voir leur maison, oh, si besoin, les enfants veulent commencer à disputer l'héritage. Vous ne connaissez pas comment les parents l'ont fait pour souffrir et construire ce que vous voyez. Moi, de son histoire, je retiens d'abord une chose, la persévérance, la discipline. Et c'est une femme qui ne se plaint jamais. Tu vas aller à la main voir, oh, le marché est dur. Oh, Non, tu la vois, elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Et quand elle finit en route, elle rentre à la maison, elle ne peut pas. C'est l'un des rares bailleurs au Cameroun que je suis sortie de sa maison, elle a porté ma caution cash. Il m'a remis. J'ai dit que le jour où il m'a donné l'argent, j'ai compté, j'étais dépassée. Il dit que je ne fonctionne pas, je ne suis pas malhonnête. Et quand je suis emménagée dans sa maison, tout était peint. Donc j'ai visité sa maison, j'ai dit waouh. Tout dans sa maison était nickel à l'entrée. Ce qui fait que même en sortant, j'ai repeint sa maison. J'ai dit que pardon, je ne veux pas que je te casse pour repeindre. Les gens n'aiment pas fonctionner avec la droiture de nos jours. Quelqu'un va vouloir sortir de ta maison, tu vas toujours chercher comment tu vas faire pour voler sa caution. Tu vas chercher comment tu vas faire pour. Les manigances sont de courtes jambes. Et quand je rencontre quelqu'un dans la vie, il dit toujours qu'on va encore se rencontrer. Ce qui fait que même si tu me fais du mal, don't worry. We're gonna meet again. On va se voir encore. Ne te dérange pas. Soit tu vas me voir à la télé. On va encore se voir. Tu vas encore entendre parler de moi. C'est pour ça que je ne peux pas salir mon derrière. Je ne peux pas salir ma réputation ou mon nom. Je ne peux pas parce que je sais là où je pars. Et c'est cette intégrité qui manque aujourd'hui à nos jeunes. Vous arrivez quelque part, ok, comme on ne voit pas, il faut que je vole un peu ici. Ah, mais on ne voit pas, non. Tu ne connais pas les plans. Tu ne connais pas les plans et les projets que la personne a pour toi. Jusqu'aujourd'hui, quand je suis au Cameroun, je passe, je m'assois là-bas et mange avec la femme là. Le mari s'est baigné, on fait les commentaires, je ris. Souvent, son mari passe et dit bonjour le père. Et vous allez voir le genre d'homme là, il va mourir très vieux. Je crois que quand tu le vois, deux de ses enfants sont déjà en Europe. Je crois qu'il y a que les deux derniers là qui restent. Et il dit que c'était la même éducation pour chacun de ses enfants. Hein. Ne blague pas. Tu vois qu'un enfant qui est passé dans le genre de maison, là, tu vas arriver en Europe, tu vas te perdre pourquoi? Comment? Même dans le rêve, tu vas te rappeler la bastonnade de ta mère, tu vas te réveiller, tu vas repartir sur le droit chemin. Et vous ne savez pas ce que vous enseignez à vos enfants. Vous ne savez pas ce que vous en faites passer à vos enfants. Parfois, ton enfant te voit mentir. C'est un truc que je n'aime pas faire. Je ne manque pas à ma fille. Et quand ma fille manque, elle m'offre une idée. Elle manque, je sais, je vais la fouetter jusqu'à. Je dis que mensonge n'a pas dans ma maison. Pourquoi tu vas demander que tu as pris ta douche avant de dormir? Oui, ok. Attends, il découvre que tu m'as menti, que tu t'es lavé avant de dormir. Parce que souvent les enfants ont la paresse. À un certain âge là. Et parce que ma fille est en train d'arriver à la puberté maintenant. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit sur cet enfant là quand elle grandissait? Je me rappelle quand elle avait 2 ans et demi, elle est revenue en Angleterre. On m'a dit, waouh, tu sais, l'enfant, il ne peut pas parler le français et l'anglais. J'ai dit, laissez. 2 ans plus tard, ma fille est parfaitement bilingue. Jusqu'aujourd'hui. Elle te rose l'anglais, elle te rose le français. Elle est en train d'apprendre même l'arabe maintenant. Dans ses cours, ils font l'arabe, ils font l'italien ou bien italien ou espagnol, un des deux. Et je me rends compte au fil des années, les gens m'ont toujours dit des choses par rapport à mon enfant. Je dis que, écoutez, vous ne savez pas ce que je donne comme principe à mon enfant ou mes enfants. Voilà. Parfois, tu avais un homme comme ça, là, il manque. Tu le vois comme il manque aux enfants. Tu dis, attends un peu.
Tu manques aux enfants. Imagine l'enfant demain. En fait, pour moi, c'est bizarre. I just can't do it. Je ne peux pas le faire. Si je t'avais promis quelque chose, le jour-là, ça ne peut pas se passer. Je t'appelle, j'appelle l'enfant, il dit, bon, voilà. Parce que l'enfant doit être habitué. Il y a les déceptions dans la vie. Ce n'est pas toujours tout qui marche. Voilà, tu sais, on avait prévu de faire ça, non? Oui, maman. Bon, voilà, on est arrivé sur place, ça n'a pas donné comme on voulait. On va plutôt faire comme ça. Même quand tu te sépares d'un monsieur, ou tu es avec quelqu'un peut-être, et ce n'était pas le père des enfants, quand la relation se termine, appelle les enfants, tu leur dis, bon, voilà. Tu appelles tonton tel nom. Oui. Bon, on n'avait pas les bons, on n'avait pas les bons, je sais pas, on n'avait pas les mêmes principes ou bien, parce que, écoutez-moi, dans vos relations, quand vous souffrez, vos enfants connaissent. Ton enfant connaît. Parce que les enfants ont une intuition là. C'est parce que très souvent, on ne les croit pas. On ne les écoute pas. N'écoute pas les enfants. Parfois, un homme arrive dans ta vie comme ça, l'enfant te dit, maman, maman, tu n'écoutes pas. Et souvent, quand tu n'es pas là, l'enfant voit les choses que la personne fait. L'enfant te dit après que, maman, j'ai vu tonton là faire quelque chose comme ça, que c'est pas bon. Mais je dis toujours, Dieu a sa façon d'exposer les gens. Il expose toujours. Et moi, quand je parle souvent aux gens, que ce soit mes proches, que ce soit mes employés, on va dire tous les 2, 3 mois, je m'assois avec mes employés, je parle avec eux. Il dit, voilà, si tu viens ici, là, tu crois que tu veux finir faire le sage, tu veux peut-être descendre tous les autres pour monter, ça ne fonctionne pas comme ça. Exactement, caprice. Elles te donnent leur avis. Parfois, tu vas voir des gens qui arrivent quelque part, ils croient que c'est en descendant les autres qu'ils vont monter. Ils croient que c'est en flattant. Il y a aussi les flatteries. Vous devez, pour 2023, décider de vos valeurs. Et je ne vais pas vous mentir, parfois, la vie nous amène à descendre nos valeurs. Tu avais peut-être décidé que je ne ferai pas ça. Peut-être tu es en train de sortir avec un homme marié actuellement. Et tu dois cacher à tes enfants. Or, c'est quelque chose que tu avais décidé il y a cela 2, 3 ans, que je ne ferai pas. Et là, tu es en train de. Ok, au départ, tu te disais, bon, il va m'aider, il va me donner l'argent, il va me conseiller, il va me. Je ne sais pas ce que tu t'es donné comme excuse pour te mettre dans cette chose, dans cette relation, ou bien dans. Je ne sais pas. Ou bien quelqu'un te parle d'un business et tu sais que le business là n'est pas 100% vrai. L'une des choses qui m'a vraiment marqué chez Napoléon Hill, si vous regardez si vous avez bien lu Réfléchissez et devenez riche, il insiste beaucoup sur la droiture dans tes deals. Napoléon Hill insiste beaucoup. Ah, attendez, je change un peu ma position dans la chaise. Ouh, ça fait du bien. Napoléon, il insiste beaucoup sur la droiture. Il dit, je ne m'enrichirai pas. Je m'enrichirai en aidant les autres personnes à s'enrichir. Et je ne m'investirai pas dans une activité qui va causer préjudice à d'autres personnes. Peut-être c'était un principe que tu avais il y a cela quelques années. Et après, tu t'es retrouvé dans une réunion, dans un quartier, dans un. Ça arrive, hein. Tu arrives dans un nouveau pays, on te dit que c'est comme ça qu'on fait ici. Et tu te retrouves, tu te rends compte que tu as bafoué tes principes depuis un moment. C'est quelque chose qui endommage ton âme. C'est quelque chose qui t'affaiblit. Tu ne sais pas. C'est peut-être la raison pour laquelle tu n'es plus aussi. Tu avais une lumière que les gens voyaient souvent en toi. Je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas me croire. La vérité, c'est une fondation. Comment on dit que Jésus est le rocher? La vérité,
C'est quelque chose que tu te mets sur ça comme ça là. Ou quand tu sens que non, je ne peux pas tomber. Tu tapes ton pied à terre comme ça, tu sens comment c'est dur. Et ça demande beaucoup de... Oui, les enfants aussi ont leur petit moment de tétutesse. C'est à toi, le parent, de savoir comment gérer. Tu enseignes le travail. Enseignez le travail à vos enfants. Enseignez smart, how to be, comment être rusé. La persévérance. La persévérance. Parce que si vos enfants n'ont pas la persévérance, et je dis toujours, je m'occupe, parce que ma mère, je me rappelle quand je grandissais, ma mère disait toujours, ouais, il faut que tu sois, je dois t'éduquer de telle façon que si demain je ne suis pas là, tu puisses t'en sortir. Je ne savais pas que ma mère allait mourir tôt. Ben, je crois qu'elle m'a donné assez de paroles, elle m'a montré assez d'exemples. Ma mère, c'était une bosseuse. Ceux qui ont connu ma mère était belle et elle travaillait. Vous voyez comment je suis là? J'ai pris la beauté de mon père, parce que mon père aussi n'est pas laid. Un jour, je dois faire un direct avec mon père, parce que vous devez rencontrer mon père. Mais je me rappelle quand j'étais petit, j'avais 7 ans, 8 ans. Ma mère rentrait souvent. Je me couchais toujours au canapé parce qu'elle rentrait tard. Elle fermait le bar vers les 2 heures parfois. Et quand elle rentrait, elle devait s'assurer qu'elle me garde le poisson brisé. Donc quand elle rentrait comme ça, je me réveille avec le sommeil, je mange le poisson. Après, elle part dans sa chambre comme ça, elle prend l'argent, le tas d'argent comme ça, elle verse sur la table. Elle se couchait dehors. Donc j'ai grandi avec cette éthique, j'ai dû avoir ma mère toujours en train de bosser. Avoir ma mère toujours en train de conseiller. Je suis sûr que si ma mère était vivante à cette époque, elle serait coach. Parce que ma mère était toujours en train de motiver les gens. Elle va te voir en salle, elle dit, mais attends, bon, tu as l'espace dans ta cour, non? Et pourquoi tu n'achètes pas un petit conteneur, tu mets là-bas dehors? Oui, tu charges même la boutique à 200 000. Comme ça, comme tu es à la maison, tu as accouché 3 enfants en 3 ans et que tu ne peux pas encore aller dehors travailler, tu ouvres la boutique, non? Oui. Quand quelqu'un arrive, il crie seulement ton nom, tu sors, tu vends quelque chose, ça te fait un petit argent chaque mois. J'ai grandi en voyant ma mère toujours en train de conseiller les gens. Toujours en train de conseiller les gens. Elle va souvent elle va dire, ah, j'ai donné 500 000 à telle personne pour qu'il commence son business. Après, non, je vais acheter le taxi. Il faut que mon prochain, maintenant, dans 2 mois, je vais acheter le taxi à telle personne pour qu'il fasse telle chose avec. Posant, si tu as un problème qui n'a rien à voir avec ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, toi. Tu as compris, ma chérie. Je vous ai dit que je ne m'éloignerai pas de ce que je suis en train de dire. Absolument pas. Il y a parfois des trucs que vous faites, vous ne savez pas que ça impacte vos enfants. Vous ne savez pas que ton enfant est en train de voir que non, ma mère, l'argent qu'elle a, ma mère bosse. Ma mère travaille. Quand les gens dorment à 6 heures, ma mère est debout. Les rêves que je réalise aujourd'hui, j'ai commencé ça quand ma fille avait 2 ans et demi. C'est à 12 ans, ma fille se lève un matin comme ça. Elle me dit, maman, tu es riche. Je la regarde comme ça, j'ai ri. J'ai dit que tu te rappelles comment toutes les années c'est travailler, non? Ma fille m'a vu dans les moments les plus bas de ma vie. Et je le dis encore, je n'ai pas caché ça à mon enfant. Je n'ai pas caché. Parce que parfois, vous êtes un peu le genre que quand ça ne va pas, écoute, ton enfant aura le moment de... Elle aura le moment où ça ne va pas marcher. Il faut qu'elle sache. Il ou elle, en tout cas. Il y aura le moment où les choses ne vont pas tourner comme tu veux. Il y aura le moment où tu vas arriver quelque part, on va vouloir te ridiculiser. Tu vas arriver quelque part, tu vas demander, on va te refuser. Tu vas faire une demande, on va refuser. Il y en a que tu attaques le samedi, on sait, tu fais l'enfant, vient te voir attaquer. L'enfant attaque aussi. Et quand l'enfant attaque, c'est qu'il peut partir sur tes personnes, dit non, je ne paye pas. Il demande tes bons, dit non. Sur 5 personnes, 2, 3 personnes disent que non. 2 personnes disent oui. Donc je dis toujours, ne simplifiez pas. Et parfois, il y a certains d'entre vous, vous n'êtes plus avec le père de vos enfants.
Le père a l'argent, toi tu n'as pas l'argent. Et tu crois que tu ne peux rien enseigner à ton enfant. C'est faux. C'est faux. Allez voir l'histoire de Will Smith. Will Smith, Darren Hardy, celui qui a écrit L'effet cumulé. Au début du livre L'effet cumulé, il parle, bonjour la reine Rolande, il parle de l'éducation que son père lui a donnée. Will Smith, il y avait un mur de leur maison, de leur garage, que leur père les a fait construire en 6 mois. Chaque matin, il se levait, avait le froid. Son père dit, mets une brique. Après, il dit, mets encore une brique. Après, il dit, mets encore une brique. Tu es fatigué, fin de la journée, pas. Semaine prochaine, tu reviens, mets une brique. Mets encore une brique. Aujourd'hui, vous allez voir, il a du succès, il est connu. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas que derrière l'homme-là, il y a un père qui était exigeant, qui était dur, qui l'a poussé à bosser. Il y a aussi Viola Davis. Elle a joué dans A Woman King. Elle a joué aussi How to Get Away with Murder. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est sur Netflix. Elle est noire comme ça. C'est une femme noire. Elle est très noire. Elle a une très belle peau. Elle s'appelle Viola. Viola Davis en français. Viola Davis en anglais. Et cette femme, c'est dans la quarantaine qu'elle a commencé à avoir du succès. Et pour les femmes noires à Hollywood maintenant, c'est maintenant qu'on les connaît. Il y a cela 20 ans, personne ne les connaissait. Elles avaient le rêve, elles étaient en train de hustle, elles essayaient. Même celle qui a joué dans Cookie. Celle qui a joué dans, qui a joué Cookie dans Empire. Je n'ai pas regardé Empire, par contre. Mais How to Get Away with Murder, j'ai regardé. Et elle était merveilleuse dans cette performance. Donc, elle s'appelle Taraji. Taraji avait un enfant. Allez un peu lire son histoire. Moi, j'aime beaucoup lire l'histoire des gens. Hein, parce que les gens aiment voir le succès. Vous allez voir les habits qu'elle porte. Vous allez voir comment elle est sur le magazine. Mais vous ne savez pas que derrière cette femme qui brille aujourd'hui, il y a une femme qui a rêvé pendant des années. Une femme à qui on a dit non pendant des années. Non parce que tu es noire. Non, parce que tu es une femme. Non, parce que tu n'es pas éduquée. Non, parce que... Mais elles ont poussé. Elles ont bossé. Vous savez le nombre de castings auxquels elles sont parties. Le nombre de castings. C'est pour ça que je trouve que parfois les Africains ne rêvent pas trop loin. Parce que parfois, si ton enfant te dit, va être acteur, tu dis, ah, quand tu vois la boîte, tous les rejets que l'enfant va subir, tu dis, non, il faut devenir docteur. Parce que tu sens que non, quand l'enfant, pourquoi l'enfant là. Il y a Morgan Freeman. Allez lire son histoire. C'est quelqu'un qui est devenu connu après 45 ans. Mais de 45 ans jusqu'à 70 ans aujourd'hui, c'est l'homme qui a, il a vu dans tellement de grands films. Denzel Washington, allez lire son histoire. Je parle de l'histoire de ces gens-là parce que les Africains cachent trop leurs histoires. Tu vois, un Africain qui a réussi, tu vas lui demander, il a commencé à te dire, ouais, il ne peut pas, il ne veut pas, en fait, il ne veut pas te dire la souffrance qu'il a traversée. Même vous qui êtes en Europe, là, tu es arrivé en Europe, ça fait 15 ans. Dis-leur comment c'était quand tu partais à la fac. Comment tu mangeais les spaghettis de 2 euros en 3 jours. Et quand tu prépares comme ça, là, tu manges, tu mets le ketchup sur ça au-dessus, comme ça, là, tu manges. Parce que tu n'avais pas l'argent. Aujourd'hui, on va voir, tu es un grand médecin, tu as déjà 2 immeubles que tu as achetés. On va se dire, waouh, je veux devenir comme elle. Parlez souvent aux gens. Quand tu vois quelqu'un vient d'arriver en bain, il te voit, tu as un sac Louis Vuitton que tu as acheté depuis 5 ans, que tu portes chaque année. Il veut le sac Louis Vuitton. Et ah,
Les Africains, vous n'aimez pas mon dialogue, non? Je ne parle pas pour vous plaire. Je vous dis la vérité. Ça vous plaît pas, vous quittez sur ma page. Vous avez suivi. Voilà. Ça vous plaît pas, vous quitter. Moi, ils chassent moi les gens. Il y a des gens qui bloquent même. Tu racontes l'histoire des gens qui vivent dans les pays où les gens peuvent manger avant de dormir. Léonard, tu sais quoi? Laisse. Laisse. Tu fais partie des Africains qui pensent que vous êtes les gens qui souffrent le plus. On souffre en Afrique. Hein? Vous êtes bien, vous êtes en Europe. Il y a des gens qui souffrent en Europe. Il y a des gens en Europe qui n'ont pas l'endroit de dormir. Les gens qui se sont réveillés aujourd'hui en Belgique, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger avant de dormir. Vous pensez qu'en Europe, il y a un arbre que tu es dans la rue, on ne sait pas cueillir. Oh, il y a 500 000 dedans. Bene, bene, Zakaria. Bene. Grazie. Attendez toujours que non, si. C'est parce que vous avez. Et aussi parce que les gens, quand vous arrivez en Europe, pour vous, c'est seulement que vous voulez. Et avec la, il y a la récession, il y a le corona, il y a la guerre de l'Ukraine. L'Europe devient de plus en plus difficile. Les gens ne vont pas comprendre. Ok, si tu es là-bas, pourquoi tu ne rentres pas? Ce n'est pas parce que la personne va rentrer qu'il va. Il y a des gens, il y en a qui sont bloqués dans un système en Europe. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas sortir de là. Exactement, start-up. Partir en Europe ou à l'étranger ne veut pas forcément dire qu'on a réussi. Il y a des gens qui n'ont pas de toit pour dormir. Il a fait quelques jours chez telle personne. Quand la personne commence à se fâcher dehors, oh, sors de chez moi, sors. Tac, tu vois, tu le vois dehors. Après, il part, il drague une fille, il est un peu gentil avec une fille parce qu'il sait qu'il va dormir chez elle. Écoutez, moi j'ai le dégoût de Bénin. Les choses que j'ai vues en Europe, moi-même j'étais sans abri en Europe, c'est-à-dire que je n'avais pas d'endroit où dormir. Et j'avais un enfant avec moi, donc je connais un peu ce que c'est. Tu viens en France par défaut. Il y a des gens qui ne savent pas que vous êtes là, vous êtes bloqué. Tu es bloqué. Tu ne peux pas partir quelque part. Tu es bloqué. Là où tu es là, tu peux pas te permettre de dire que je vais faire une semaine sans travailler. Comment, quand? Là où tu es bloqué. Je dis toujours la vérité, parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui quittent de l'Europe, qui cotisent leur argent pour venir impressionner les gens au Cameroun ou en Afrique. Pour venir impressionner. Et ceux qui se laissent toujours. Je vous assure qu'il y a des gens ici en Afrique, tout pour eux, c'est pas tiambé. Avec tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux là. Partir comment, dans quelles conditions, pour vivre où, pour faire quoi? Non, je veux seulement partir. Je veux seulement partir. Beat the hell out of that man, man. Tapez-le un peu. Amenez-le un peu à la gendarmerie là-bas. On le fesse un peu. Ça sort de son corps. J'ai regardé un film l'autre jour sur Netflix. Deux filles de Serbie. Syrie. La Syrie. Oui, Syrie. Elles ont traversé une partie de l'Europe. Elles ont été dans l'eau. Et c'était des nageuses. Je ne sais pas qui a vu ce film-là. J'ai oublié le titre. L'une d'entre elles allait gagner les Jeux Olympiques de Rio 2016. C'est la guerre qu'il y a eu en Syrie, je pense, ouais, qui les a fait partie de leur pays. Les filles-là ont bosa. Si tu vois les blancs qui bosa, elles arrivent dans l'eau. Elles se rendent compte que tout l'argent qu'elles ont donné au gars, le gars est parti prendre... un bateau de le bateau gonflable là,
Il met le moteur sur ça. Il les lance dans l'eau, il dit partez. Partez. Il dit conduisez seulement dans la direction si vous allez arriver. Et voilà, il les lance dans l'eau. C'est au milieu de l'eau maintenant, le moteur s'arrête. Quelqu'un d'entre eux a réussi à avoir le réseau sur son téléphone. Il appelle les gardes côtes de la Grèce. Il dit non, vous n'êtes pas dans notre juridiction. On ne peut rien faire. Ils se rendent compte qu'ils sont seuls. Quand ils arrivent même sur place en Allemagne, c'est encore notre combat. Tu arrives, tu n'as pas de papiers, tu vas faire comment? Il te faut travailler. Tu peux demander l'asile, on refuse. Et parfois, tu vois les sommes d'argent que ces personnes dépensent pour arriver là-bas. Je dis, si je suis resté au pays, si j'ai dépensé 3 millions pour arriver là-bas, tu prenais seulement 2 millions sur ça. Au pays, lance ton petit business. Parce que l'assiduité que tu refuses d'avoir au pays, tu vas arriver en banque, tu auras besoin de ça. Tu ne veux pas te discipliner. Chez le blanc, tu fais des trucs que tu fais au pays, là, tu vas lire. Pas un peu chez le blanc, il te dit que tu viens au travail à 7h30, tu arrives à 7h45, deux jours. Il te chasse. Tu es là au pays, tu dors, kounia, kounia. Tu es là à 7h30 au lit, tu dors. Tu dors quoi? Tu dors quoi? Parce que j'ai vu des gens qui sont ici au pays, ils sont paresseux. Paresseux. J'ai un que j'ai pris récemment. Il est en train de faire ses papiers pour partir. Je lui ai dit, bon, en attendant que tes papiers sortent, je vais t'employer. Comme ça va te permettre de compenser le loyer. Parce que tu ne vas pas rester chez moi comme ça là. Tu dors seulement sur le canapé, tu ne fous rien, tu manges ma nourriture. Je n'aime pas ça. J'ai dit qu'il n'a pas tenu une semaine. Il n'a pas tenu une semaine. Il est où tu es en train de partir en bain? Aïe. Le froid va te toucher à 5 heures. Tu as l'arrêt de bus. Comme ça là. Le bus vient même, il n'y a pas le chauffage dedans. Le seul truc, c'est que le bus t'empêche d'avoir le vent qui passe sur toi, le froid qui te touche. Mais ça ne chauffe pas vraiment dedans. Te voilà. 45 minutes de route. Pourquoi quand vous appelez les gens au pays, vous ne leur dites pas? Tu attends qu'on te réponde pour une procédure que tu ne connais même pas la date, on va te répondre. Et tu ne peux pas appeler pour dire, dites-moi la réponse, c'est quoi? Tu vas appeler qui? Madame, oui, nous avons pris votre demande en considération. Oui, nous allons vous contacter très bientôt, très prochainement, madame. Oui, attendez, oui, nous ne pouvons rien faire d'autre. Oui, ok, merci. Tu regardes ta cousine. Que quand est au pays, pourquoi tu ne m'as pas dit? Oh Seigneur. Tu n'arrives pas à te discipliner au pays. Hein? C'est vrai, Marivonne, certains disent, mais les autres ne croient pas. Mais si c'est comme ça, pourquoi tu es encore là-bas? Voilà, parfois il y a la grève des transports et tu dois aller travailler. Souris de Dieu, j'étais en bain. Hein? J'ai tout fait, j'ai fait tous les échelles en bain. J'ai fait tout. J'ai été pauvre en bain. Je suis sorti avec des gens qui ont l'argent en bain. J'ai vécu dans les quartiers riches en bain. J'ai été très pauvre en bain, j'ai vu. J'ai dormi chez les gens, sur les canapés des gens en bain. Même quand j'étais en Europe, je parlais des réalités de Mbeng. Je faisais mes directs, je disais. Parfois, tu travailles la nuit, 4 jours de suite. Ah oui, oui, ta tête fait mal. Et tu pars au travail. Pourquoi je suis rentrée? Je veux dire qu'il ne répondrait pas à vos questions aujourd'hui. Chacun va donner sa théorie. Mais je m'en fous.
Je disais tout le temps aux gens qu'aller en Afrique, qu'en Afrique on peut réussir. Un jour, je me suis rendu compte que je ne peux pas dire aux gens de réussir en Afrique si je suis en Europe. Il faut que je parte en Afrique réussir. Je vais montrer aux gens. Ma réussite, je l'ai eue en Afrique. C'est en Afrique. C'est en Afrique, ici, là. Et quand les gens pensent à rentrer, ils se disent que... Qu'est-ce que les gens vont dire? Vous savez... Voilà, la reine Faust te dit, pardon, faites-vous coacher avant de vous lancer en bengale. Moi, on m'a lancé en Benga, j'avais 19 ans. Je n'avais pas le choix. On m'a parachuté en Benga. Mon père voulait que je parte en Benga. Je suis parti aussi. Je suis parti. Les principes que j'ai appris, j'ai commencé à les apprendre en Europe. Mais mon cœur penche beaucoup pour les Africains. J'ai toujours ce cœur et j'ai trop de choses que j'ai vues en Europe que je me suis dit, je veux que ça se soit implanté en Afrique. L'école, par exemple, je vous parle toujours de mon école de vacances que j'ai ici, là, en Afrique. Ça, c'est le concept que je suis allée en Europe. Je n'ai pas vu partout. Je n'ai pas vu partout en Europe. Parce que moi, en Europe, c'est pas comme si les écoles en Europe sont tellement bien, bien, bien. Comme si on enseigne... Non, on va mettre des choses dans la tête de ton enfant. Mais maintenant, à toi, à la maison, tu rajoutes. Comme la sagesse financière, on l'enseigne pas à l'école. Quand je suis rentrée, c'est là que je n'avais plus la pression... Parce que l'Europe te met la pression. Les factures, les papiers, le froid. Le froid, c'est quelque chose que je ne sais pas comment vous faites. J'ai géré le froid 13 ans. J'ai dit que froid, toi et moi, on ne s'aime pas. Quand je suis arrivée en Afrique, les mêmes principes que j'appliquais en Europe. J'ai commencé à les appliquer ici. Je me suis rendu compte qu'en Afrique, si tu arrives en bain, tu es sage. Ce que tu as appris là-bas, reviens ici, duplique. Parce que je me suis rendu compte qu'en Europe, s'ils ont des restaurants, peut-être la nourriture est bien faite. S'il y a, il y a des beaux restaurants là-bas. Donc si tu arrives là-bas, tu travailles quelque part. Observe comment ils font les choses. Rentre en Afrique. L'excellence que tu as vue là-bas, reviens mettre ça en Afrique. Tu ne vas même pas faire 2 ans, tu seras riche. Je dis encore, ce qui manque à l'Africain, c'est l'ouverture d'esprit, la vision. Quand tu arrives en Europe, tu vois, tu dis, waouh, on peut faire ça. Waouh, on peut faire ça. Mais le problème, c'est que certaines personnes qui viennent, vous voulez venir seulement faire 2 mois. Parti, il y a encore fait 2 mois. Personne ne va accepter ton concept comme ça. Il faut que tu sois sur place pour pousser. Tu mets ton pied dans la porte. Laissez-moi entrer. Et les Africains ont une façon de penser. Les Européens, le marché européen a une façon de penser. Le marché africain a une façon de penser. Par exemple, quand je venais d'arriver à Douala, j'ai un ami, il m'accueille, il me dit, il m'invite. Il dit, ouais, on devait parler business. Il me dit, non, ici en Afrique, je dois te donner des règles de base. Quand quelqu'un ouvre sa chose, pas. Quelqu'un ouvre sa chose, pas. Parce que quand tu ouvres ta part, c'est quand tu ouvres ta part, il ne va pas venir. Okay? Quelqu'un accouche son enfant, pas. Quelqu'un fait le deuil, mais tu ne peux pas partir, envoie l'argent. Donc, il m'a dit que c'est un peu, je ne sais pas, il m'a donné quelques règles de base pour l'Afrique. Il m'a dit, les tontines, c'est des endroits où on peut t'aider financièrement parfois quand tu as des situations. J'ai dit, ok.
Il y a des règles de base qu'il m'a donné que même quand j'étais en Afrique, je ne pouvais pas savoir. Ce n'est pas tout le monde qui a donné ces conseils-là. Donc, il y a encore deux, trois choses qu'il m'a dites. Au départ, je faisais un peu l'européen. Je disais, genre, moi, je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Ah, pourquoi moi, je dois faire comme ça? Pourquoi? Ok. Un an est passé. 2 ans. Quand tu as n'importe quoi que tu veux. Bonjour de la Belgique, Rachel. N'importe quoi que tu veux discuter avec quelqu'un. Ok, on peut se voir à midi, on mange. Oh, il va venir. Bon vin rouge, bon Dolet à table, pendant qu'il mange ou le porc braisé. C'est là-bas qu'on discute les business, les vraies affaires. Au départ, j'étais like, what? Venez dans une salle de conférence, venez un truc, tu vois. Oh, non. Donc, il y a des principes que quand tu arrives en Afrique, tu dois changer. Et ce que tu as vu en Europe, quand tu viens pour adapter au marché africain, tu dois avoir du tact. Tu dois avoir du tact pour voir comment la clientèle se comporte. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus peut-être d'Allemagne, du Canada. Ils sont venus ici. Ok. Ils viennent pour 2 mois. J'ai tel concept que je veux mettre sur pied. Je dis qu'en 2 mois, tu ne peux pas venir planter quelque chose ici. Parce que quand tu viens, tu as le cliché ou bien encore le, on appelle ça, le modèle. Voilà. Tu as le modèle de l'Europe. Avec la clientèle européenne. Avec le système européen. Quand tu viens, l'idée peut être bonne. Et même les employés en Europe, sont comme ça. Pour trouver les bons employés en Afrique, pardon, les employeurs là, levez la main s'il vous plaît. En 3 ans où j'ai employé les gens en Afrique, j'ai vu toutes les qualités d'employés. Toutes sortes. Donc même pour trouver les bons employés, c'est la grâce. Il te faut du tact. Je me rappelle quand il venait d'arriver, j'avais un ami là. Tous les 3 mois, il renvoyait ses employés. Il m'appelle donc pour faire une petite formation dans son entreprise. Et j'arrive, je dis, mais ouais, comment tu peux faire ça, Eric? C'est pas possible. Pourquoi tu renvoies tes employés à tout moment? Et il me dit, ma chérie, laisse, tu me comprendras. 18 mois plus tard, je l'appelle. Je dis que tu sais quoi? Tu avais raison. Tu avais raison. Et l'Africain, quand tu le blanc-emploies, tu es trop gentil avec lui au départ. Genre, voilà, prime de ceci. Ouh, je ne fais rien, madame va me donner le salaire. Je ne fais rien, madame va me donner l'argent. Oh, j'ai même installé les caméras dans mon bureau là-bas à Douala. Tu les vois, ils sont assis. De toutes les façons, notre salaire va passer à la fin du mois, non? Maman, le mépris alors est ma chérie. Ma chérie, tu emploies les gens en Afrique. Tu emploies les gens en Afrique. Je te donne la bidaille. Jesus. J'ai trouvé de bonnes journées alors. Claudia, ok. Tu emploies les gens en Afrique. La paresse. Et c'est comme si quand tu parles, ils ne comprennent pas. Tu fais une réunion à 8 heures. Tu dis, je ne veux plus que vous fassiez ça. Traitez le client comme ça. Ceux qui font les réclamations, là, je vous ai déjà dit que ce sont, j'ai les employés qui gèrent mon secrétariat, mes messages. Tu fais la réunion à 8 heures. Tu dis, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Oui, madame. Oui, madame. 13 heures, tu viens, la personne a fait exactement ce que tu as dit le matin de ne pas faire. Dis, quand il parlait, tu écoutais ma. J'ai parlé en patois. Hein? J'ai parlé en patois. Maintenant, j'emploie les gens responsables. Je ne veux plus les pampampés là, que tu arrives. Je vis chez mes parents. Et je n'emploie pas en fonction du diplôme. Maman, l'impolitesse au. Vous savez, si on va tourner au direct, si vous parlez des employés en Afrique. Aïe. Parfois, tu vois un employé, il est prometteur. Je n'embauche pas avec les diplômes. Je n'embauche pas en fonction du diplôme. Elle fait dire, oh, j'ai la licence en. J'ai le master en. J'ai le secrétaire qui avait eu le BTS en communication, qui ne connaissait pas te rédiger une lettre. La licence en. Quoi là? Elle ne connaît pas te rédiger une lettre. J'avais une, elle avait fait le master. Je crois qu'elle a fait son master 2. Elle ne connaissait pas te faire un rapport des ventes. J'ai un autre qui faisait les courses.
qui avait fini le bac, elle n'est pas là à l'université. Chaque soir que la femme faisait les rapports des ventes, j'avais toujours la peine à lire. Un jour donc, elle était tombée malade, ce qui fait que j'ai demandé au jeune là de la remplacer. À la fin, il me fait un rapport. Je regarde le papier, je dis, mais tu as arrêté l'école où? Il me dit, non, je vais aller à la première année universitaire, mais j'ai laissé parce que je n'avais pas l'argent. Il dit, est-ce que tu sais que la fille qui a été en master 2, là, elle, tu fais plus qu'elle? Donc, je n'embauche plus. Et j'embauche des gens responsables. Je ne prends pas quelqu'un parce qu'il cherche le travail. Ça, c'est un autre truc. Moi, là, je suis méchante comme boss, comme patronne. Je vous dis, moi, cash. Je suis moi méchante. Et j'arrive comme ça, je bavarde sur tous les employés. Ils connaissent déjà. Quand c'est ça, chacun ferme sa bouche, il va se cacher dans son coin. Donc, ça, tu vas me détester pour rien. Je vous dis encore, je suis capitaliste avec mes employés. Tu ne me rapportes pas de l'argent, tu ne me sers pas. Je vous dis cash. Ce qui fait que, fin de journée, dis-toi à chacun, comme tu t'es assis aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, je vais te donner l'argent. Tu m'as rapporté quoi? Tu as fait quoi qui va m'aider? Et je n'embauche pas sur ma page. Sur des filles que j'ai prises sur la page ici, là. Elle arrive comme elle. Parce que moi, si vous me voyez dans mon quotidien, je suis comme vous me voyez là. Tu peux arriver, tu commences à avoir du mépris pour moi. Et je ne suis pas moi dedans. Non, je ne veux pas le mépris. J'embauche l'autre, elle arrive. Et les filles qui viennent pour draguer les gars ou bien pour qu'on les drague là. Je vous dis tout. Il y a les hommes mariés dans mon entreprise. Donc tu arrives d'abord ton habillement, tu d'abord le code. Tu arranges tes habits. Je ne veux pas les décalages horaires. Je ne veux pas. Tu arrives, tu t'habilles bien. Et si tu n'aimes pas l'autorité, déjà que tu vas arriver, c'est même pas avec moi que tu vas parler directement. Il y a un chef de personnel. C'est avec lui que tu gères. Oh, je vais parler avec la reine. Pardon, comment? Tu as les rapports à lui que tu donnes. Parce que les Africains aussi n'aiment pas l'autorité d'autres personnes. Vous croyez que vous connaissez? On te met dans une entreprise, tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi, va voir la hiérarchie. Je ne veux pas les gens qui me connaissent au départ. Je ne veux pas. Ça, ce sont mes principes que j'ai appris après mes 3 ans que j'ai fait en tant que business owner en Afrique. Et j'apprends toujours. J'ai des amis qui ont des agences de voyage, des entreprises de ceci. Quand on s'assoit peut-être pour parler, quand ils me donnent des conseils, je dis waouh. Je prends mon bic, je note. Et c'est que dans 2-3 ans, ce qu'il est en train de dire là, je vais rencontrer ça c'est sûr. Je vais rencontrer ça. Je préfère maintenant embaucher en fonction des recommandations. Genre, j'ai quelqu'un qui arrive, il travaille bien. Et la personne maintenant me dit, j'ai une amie ou bien j'ai une connaissance. Je demande que je découvre. Ça fait 6 mois que tu es avec moi. Je suis très très contente du rendement que j'ai avec toi. Cette personne, c'est est-ce que tu la connais? Oui, je connais cette personne. Et quelques fois, j'ai embauché des gens, ça a bien marché. C'était ce genre de personne. C'était ce genre de personne. La personne arrive, ok, pas parce que tu m'as vu en route ou bien parce que tu m'as vu sur le truc. Il y en a aussi qui abandonnent trop facilement. J'ai parfois des gens, même de ma famille, qui sont venus. Je n'ai personne de ma famille dans mon entreprise. J'arrive parce que je la connais. Au départ, je vais te donner le minimum. Ne crois pas que tu vas arriver le premier mois, tu auras 300 000 francs de salaire. I'm sorry, no. Et parfois, les gens aussi ont ce genre de mépris. Genre, ils arrivent, ils commencent à voir comment ça entre. Ils disent, mais il y a l'argent ici, non? Et ça devient genre, soit ils veulent voler, soit ils commencent à dire que s'il y a tout ça qui entre, pourquoi on me paye seulement ça? Je leur précise toujours, je te paye en fonction de ce que tu me rapportes. Si tu me donnes 200 000 francs le mois, je vais te donner 50 000 francs par mois. Si tu peux me prouver que tu peux me rapporter 1 million de francs, je t'assure que je ne vais pas te payer 50 000.
fonctionnez avec la valeur que vous apportez. La valeur. La valeur. Mettez ça dans vos employés. Qu'ils soient conscients que c'est la valeur. On fonctionne avec la valeur. Même si mon boss est en Allemagne et que je suis ici, là, je gère son magasin au Cameroun. Je fais 10 jours, je ne vends pas. Je crois qu'il va me payer avec quoi? Hein? L'homme là va me payer avec quoi? Parce que souvent c'est comme si les employés au Cameroun sont dans un monde de rêve. Le magasin que tu as, tu vois, tu es assise dedans, il paie le loyer. La marchandise que tu vois, il a payé. Plus la marchandise reste sur place, plus ça paie la valeur. Parfois les jeunes ne réfléchissent pas. Parfois tu peux réfléchir à stratégie. Tu dis que boss, j'ai essayé ça là, ça a marché, j'ai vendu comme ça là. J'ai vendu plus que ce qu'on vend d'habitude. Voilà comment j'ai fait. Boss, j'ai posté même sur mon TikTok. Hein. J'ai créé une page TikTok. Tu t'ennuies dans le magasin la journée. Crée la page TikTok. Tu postes les produits de ton employeur. J'ai souvent les promotions. Vous ne savez pas comment faire. Je n'ai pas encore vu quelqu'un sur cette terre que tu lui apportes la valeur, la personne te chasse. Non. C'est-à-dire que la fille là, elle s'occupe bien de mes... Quand je la laisse pour qu'elle gère le magasin. Quand quelqu'un entre, dès qu'elle voit quelqu'un entrer comme ça, la pape, elle se lève. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Elle ne fait pas parce que je suis là. La personne ne sait pas que quand ça va, plus tu vas vendre, plus ce magasin va fonctionner. Ça conserve ton boulot d'abord. Parce que si le patron la fonctionne comme ça 6 mois, après il va fermer. Il fonctionne comme ça 6 mois, il ne vend pas, il va considérer fermer. Oui, ils vont te dire que ce n'est pas l'entreprise de son père. C'est ça. D'autres vont venir. Parfois, je mets mes employés, je dis que regardez. Tu t'assois 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Si un de mes employés fait 4 jours, il n'a rien vendu, je l'appelle. Je dis que tu me sers à quoi? Beta, on libère ta place. Parce que cette place est occupée inutilement. Je suis très capitaliste dans mes choses. Et il y a un âge à qui je donne souvent un peu plus. Parce qu'il me rend compte que la personne n'est pas obligée. Mais cette personne fait en plus, fait l'extra. Voilà, tu les as laissés dans ton magasin. Ils ont dormi, non? Augustine, quand tu veux lancer ta chose, l'erreur que vous faites souvent quand vous êtes en Europe, tu as sué pour avoir ton argent pour charger le conteneur. Tu as sué pour avoir ton argent pour faire ceci. Tu pars, tu confies à quelqu'un comme ça. C'est des erreurs qu'on ne fait pas. Mais tu laisses dans un magasin quelque part. Tu fermes la porte. Tu finis de travailler là-bas. Tu prends 2 mois. Tu viens t'asseoir. Tu vends ta marchandise. Le reste là, tu mets en collant. Tu fermes. Ou tu ouvres ton compte. Tu filmes de l'étranger. Quand quelqu'un achète, tu appelles ton gardien qui va ouvrir, tu donnes ça à telle personne. Moi, c'est là. Quand je me donne, je n'aime pas qu'on occupe mon espace pour rien. Tu dois produire quelque chose pour moi. Don't waste my time. Don't waste my time. Et les gens, parfois quelqu'un peut venir dans ton entreprise de travail. Tu vois, tu dis, waouh. Je vous assure, j'ai un comme ça là. J'ai 2 personnes comme ça. Parfois, je crois que c'est la grâce de Dieu que j'ai eu ces personnes-là. Tu vois quelqu'un dimanche à 22h, il est en train de bosser. Dans votre contrat, il n'est pas censé travailler dimanche. Il n'est pas obligé. Dimanche 22h, il t'écrit, dit madame, il y a tel client qui demande ça. Je crois que j'ai dû d'abord fouiller 50 personnes avant que Dieu me donne une personne comme ça. Quelqu'un arrive, il t'observe, il voit comment tu bosses. Et ces personnes ne savent pas souvent que quand tu fais même ça, hein, parfois tu cherches même quelqu'un qui a la volonté, à qui tu peux même passer certaines choses. Il y a des faveurs que quand tu es un bon employé, tu peux lui donner, tu peux lui faire. J'ai un ami qui m'a dit récemment que
Il a son chauffeur qui le conduit depuis 15 ans. Quand son chauffeur voulait se marier, il y a cela 4 ans, il a donné un terrain à son chauffeur qui avait la maison dessus. Parce qu'il est conscient, il dit que non, l'homme s'il m'a supprimé, il a été avec moi 14 ans. Je me suis rendu compte que l'Africain a une courte mémoire quand il vous fait les choses. Ah, elle me donne seulement 70 000 le mois. Elle me donne seulement 150 000 le mois. Il ne sait pas que là où tu es, tu as les projets pour lui. Tu as les projets. Sa famille va parler, elle t'exploite. Elle t'exploite, regarde. Le son va se poser. Peut-être que tu es là même comme ça, tu planifies même prendre un de ses enfants là-bas en Bengue avec toi. Non, il va rester, il va faire comme un idiot. J'en ai perdu comme ça au moins deux. Je dis, waouh, c'est dommage. Ça me fait économiser l'argent et l'énergie en tout cas. Et quand il reste, on a des projets d'expansion pour notre entreprise. On a tracé ces projets en janvier 2022. C'est en septembre qu'on a pu les mettre sur pied. Entre janvier et septembre, ça fait il y a 8 mois. Il y a certaines personnes qui sont parties. En se disant que non, elles nous exploitent. Hein? Moi, j'ai dit, ah. Il y a un qui est resté. Et je lui ai toujours dit que tu es quelqu'un, que tu es un visionnaire. Tu es visionnaire. Les gens seront toujours jaloux de toi. Parfois, tu restes comme ça. Il y a des moments où tu ne peux pas être là pour faire telle ou telle chose. Tu vois comment la personne, il dit, madame, je peux aller faire. Il dit, madame, je peux aller faire. Il part. Il fait comme si c'était toi. Tu dis, ah, donc quand je travaille souvent, tu m'observes. Il dit, oui, madame, je vois comment vous faites. Je vois. Je dis, waouh. Et moi, je ne vais pas vous mentir. Tout le monde qui arrive, avant que tu gagnes ma confiance, je te teste. Je te teste. Certains ne savent même pas que quand ils travaillent avec toi, tu leur apprends des principes. Tu leur apprends des stratégies. Tu leur passes du savoir qui, en restant dans leur petit taudis là-bas, ils ne pouvaient pas apprendre. Mes meilleures personnes que j'ai actuellement à côté de moi, ce sont les personnes qui ont commencé, je ne les payais même pas au départ. Ils commencent, je dis que non, parlons d'abord du salaire. Non, ils disent non, madame, je ne suis pas ici pour le salaire. Likez le live, oh, ça va s'arrêter. Ça s'arrête, je vais laisser TikTok. Apparemment, on dit qu'il faut liker le live. Bon, mettez des likes et partagez aussi, ça va aider. J'ai des personnes qui sont arrivées. On dit, on a compris ce que tu fais. On a écouté tes vidéos. On veut faire partie de cette vision. Ce sont les personnes que je peux leur donner. J'ai des employés dans mon entreprise qui ont accès au compte bancaire de l'entreprise. Il y en a qui font les comptes. Quand ils font les comptes, je ne repasse même pas pour vérifier. Parce que j'ai eu des moments où j'ai vu comment cette personne est venue avec l'opportunité, mais a montré que je ne suis pas ici parce qu'il faut absolument que je prenne l'argent. Tu viens quelque part, tu fais un mois. Tu commences à dire non, il me faut avoir ça, il me faut. Je dis, ça fait un mois que tu es là. Tu ne connais pas comment la boîte fonctionne. Tu ne connais pas comment la boîte fonctionne. Assois-toi, observe.
Mets ta main aussi, tu participes. Pourquoi, pourquoi moi, ce n'est pas moi qui gère ça. Pourquoi tu ne mets pas au-dessus des gens-ci? Même la promotion, quand on dit que la promotion vient de l'Éternel. Et l'intégrité. L'intégrité, c'est quelque chose qui va vous amener très loin. Et je le dis toujours que, écoutez, il y a de cela un an. C'est en novembre de l'année passée que j'ai commencé à embaucher. Donc, ça fait un an que j'ai commencé à embaucher les gens dans l'entreprise. Donc, avant ça, je gérais tout seul. Je faisais la comptabilité seul. Je gérais les réseaux sociaux seul. Je gérais les commandes seul. Tout, je faisais seul. Donc, je connais chaque étape de ce que vous faites. Maintenant, comme ça a pris une autre dimension, j'ai pris des gens pour qu'on travaille ensemble. Mais soyez patient. Cette année, j'ai eu une personne comme ça. Je devais faire ses papiers pour l'amener parce qu'on est maintenant dans 3 pays. Donc, je vais l'amener dans un pays où on est basé. Mais le cœur de la personne n'était pas pur. On a planifié faire le passeport de la personne même 3 fois. Il y avait toujours un truc qui clochait. Toujours un truc qui clochait. Un jour, j'arrive comme ça. La personne m'avait déjà pris pour acquis. Je lui dis, c'est bon, on arrête de travailler. C'est l'ultimatum pour ça, tu n'as pas arrangé. J'étais même, ça. J'étais même prévenu. Ça fait 2 semaines, j'étais donné l'avertissement. Que si ça la continue, je vais te renvoyer. Il dit que c'est bon comme ça. Oh là là. La personne est rentrée m'envoyer un message. Oui, tu voulais seulement m'utiliser. Hein? Je dis que what? What? Je t'utilise. C'est moi que s'il fallait que tu partes à l'étranger, qui allait payer? C'est toi qui as sorti ton argent? Parce que pourquoi pour le temps que tu as travaillé si j'étais payé? Tu n'as pas travaillé gratuitement. Au contraire, c'est moi qui te faisais même des dons extra. Je lui ai dit que ce qui était dans ton cœur a été exposé. Ce qui était dans ton cœur. Donc vous les chefs d'entreprise là, sachez que moi c'est un truc que j'ai dit à mes employés, c'est que je ne serai jamais injuste avec vous. Vous n'allez pas me pousser à être injuste avec vous. L'autre arrive une fois. Je ne sais pas pourquoi j'avais renvoyé la jeune fille. Là. Je l'avais pas renvoyé, elle est partie d'elle-même. Elle est partie d'elle-même. Après peut-être une semaine, je lui demande de revenir. Elle me dit non, pourquoi je revienne? Il faut que tu me fasses un contrat de garantie. Je lui dis, what? C'est toi qui t'es levé ici lundi, tu as dit qu'on t'attendait. Et je lui avais même donné. Cette fille a fait des comptes devant moi. On avait une cliente qui venait d'Europe. Elle compte l'argent, elle fait une erreur de 100 000 francs devant moi. Je lui dis, ma chérie, tu es caissière, tu veux me ruiner? Prends un jour de congé, reste à la maison. Ne t'inquiète pas, ce jour-là sera payé, mais reste, tu réfléchis encore bien si tu veux travailler ici. On met 4 produits sur la liste, tu comptes, tu fais 100 000 francs d'erreur? Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Lundi, elle dit non, je ne viens plus. Elle dit ok. Vous pensez que moi, je suis une femme, monsieur, émotionnelle, hein? D'accord. Bye. Comme tu as dit, bye. D'accord. Une semaine plus tard, je demande, est-ce que tu es prête à revenir dans l'entreprise? Non, pour que moi je revienne, je dois avoir un contrat, je dois avoir... Il dit, oh, ça c'est tes intentions. D'accord. Laisse tomber. Just leave it. Laisse. Ça, c'est l'un des trucs avec les employés africains. Ils n'aiment pas la correction. Ils n'aiment pas la correction. Non, 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 non. J'ai une autre. Parfois, elle vous dit que je ne travaille pas avec telle personne, je ne travaille pas avec telle personne. C'est les cours, ça coûte des petits trucs comme ça.
Il a laissé le magasin pour aller se chercher. L'autre une fois, elle gérait le business dans une des villes. Je ne veux pas dire le nom de la personne. Ce qui fait que les clients qui payaient dans cette ville payaient chez elle. Après, je vois, elle a du mépris envers ses supérieurs qui sont à Douala. Parce que Douala, c'est la base. Mais dans tous les autres pays ou les villes, vous vous référez à Douala. Je vois un jour, elle a un problème avec son supérieur, un manque de respect supérieur. Il m'envoie le voice qu'elle a envoyé. Moi, je n'ai pas de compte à te rendre. Je travaille avec la reine. Je l'appelle et je dis que, mamie, on ne travaille pas comme ça dans l'entreprise. Si il y a n'importe quel problème, on s'assoit, on en parle. On ne se manque pas de respect. Même si c'est un supérieur que j'entends qui parle mal à quelqu'un qui est au-dessus, toi et moi, on va parler. On va s'asseoir pour discuter. C'était des signes que la fille me montrait déjà, je ne voyais pas. Après, là, je vois, au lieu d'envoyer les transferts sur le numéro de l'entreprise, la fille demande que les gens transfèrent l'argent sur son numéro personnel. Et ok. Je vois une, deux, trois fois. Et c'est quand les clients me recontactaient pour dire, madame, j'ai déjà payé telle chose. Je lui envoie la preuve de paiement, je dis que tu as reçu ce paiement. Ah oui, j'avais oublié. Je dis, ok. Jeune fille de 27 ans qui était venue me supplier. Oui, madame, s'il te plaît, je ne peux pas rester à la maison. Tu vois, j'ai l'enfant. Je ne peux pas rester à la maison. Ouais, s'il te plaît. J'ai dit, d'accord, commence le boulot. Ça, c'est au bout du troisième mois que la personne faisait déjà ça. Troisième mois. Trois. Pas un an. Troisième mois. J'ai dit, d'accord. J'arrive au pays, j'appelle. Non, moi, je ne peux pas. J'ai pris la voiture sur la Yaoundé. J'arrive à l'agence. Je prends le taxi. J'appelle une de mes amies. Je demande que la personne la vit où. Je l'appelle quand je suis dans sa rue. Je dis que ta maison est de quel côté. J'arrive devant la personne. D'abord, l'air autant que la personne avait. Je dis, waouh. Ok. Remets-moi seulement la puce de l'entreprise. Et tu me remets. Je sais pas ce que. Je voulais seulement prendre la puce, hein, c'est tout. Non, 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 moi, je ne peux pas aller le faire. Je ne peux pas aller faire. Je dis, waouh. Il dit, écoute, très bien. Donne-moi juste la puce de l'entreprise. J'ai passé presque 6 heures de temps dans la ville là, pour régler cette affaire. J'ai demandé qu'on me sorte les relevés de compte. Il s'avère que tous les deux jours, cette personne partait dans le compte, transférait l'argent qui était dans la puce de l'entreprise, dans son compte personnel. J'ai dit d'accord. J'appelle mon ami, j'ai une amie là qui connaît tellement, elle connaît presque tous les commissaires là. La femme me dit que tu veux qu'on l'enferme. J'ai pris une heure de temps, j'ai réfléchi. J'ai dit non. Laissez. J'aime. Il y a les gens que l'argent rend fou. Bonne journée à ceux qui doivent partir. Bonne journée. Il y a les gens que quand tu l'aimes, si tu exposes quelqu'un à 500 000, la personne devient fou. Oh, 500 000. Oh. Le jour où tu vas mettre la personne devant 20 millions, il va faire comment? Hein? Le fait que tu me prennes 500 000, tu pars avec. Ça ne te dérange pas. C'est comme si tu es venu avec un petit verre, tu es venu dans la mer, dans ma mer ou dans mon océan. Tu as pris ton verre, tu as pris l'eau, tu es parti. Je ne dis pas, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Voilà l'océan manque d'eau. Prends ton verre d'eau, tu pars avec. Et comme tu pars là, c'est fini. Quand l'eau là va finir, parce que souvent quand les gens volent, ils ne savent pas que ça va finir. Ils ne savent pas que ça va finir.
Quand ça finit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chercher la longévité. Je sais que quand je parle comme ça, là, j'ai au moins 2% d'entre vous qui allez comprendre. La longévité. Je préfère être dans un endroit où je sais que chaque jour, j'ai mes 1000 francs sur. 1000 francs, chaque jour. Au lieu de porter 500 000, je fuis, je pars avec. Quand les 500 000 ont fini, tu vas faire comment? Hein? Et ça, c'est l'un des principes de la prospérité. Quand tu veux établir ton business, parce que sur le chemin pour monter, tu as les gens qui te proposent des business. Oui, viens, on fait ça là. Tu as un axe seulement, les gens, ils ne vont pas t'appeler ça anaké, hein. Oui, tu parles comme ça, la personne te donne ça. Je regarde, je dis, mais ça, c'est l'escroquerie. Tu ne donnes rien à quelqu'un. Tu escroques la personne. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Sur le chemin, tu auras des gens qui vont venir avec des propositions de choses qui sont très indécentes. C'est à toi de savoir là où tu pars. Je dis encore, ça ne se verra peut-être pas dans un an. Ça ne se verra peut-être pas dans deux ans. Mais au bout de 10, 15, 20 ans, l'écart sera comme ça. Dans 30 ans, chacun sera carrément à 180 degrés. Toi, tu seras là-bas, l'autre sera là-bas. Tu gérais la boutique de ton mari. Et tout ce que tu fais, fais bien. Tellement important. Everything you do. Bonjour la reine Colette. Fais bien. Même si tu travailles dans la boutique de ton mari, les 6 mois que tu es là-bas, fais bien. Je suis sûr que le neveu est arrivé, il t'a monté les choses dans la boutique de ton mari. Les gens ne comprennent pas que c'est un des principes. Ce sont des principes. Nous ne vivons pas des principes. Et les principes, tu ne peux pas fuir. C'est comme la respiration. Tu vas partir ou tu ne vas pas respirer jusqu'à ce que tu vas vivre. Et quand tu bâtis ton business sur la vérité, même si quelqu'un vient faire le coup derrière toi, il te dit, il sera exposé. Les gens ne croient pas. Hein. Tu es là, on monte ton coup contre toi dans ton entreprise. Quelqu'un vient t'appeler et dit que non, tu sais, je ne voulais pas. Je sais que bon, mais tu sais, l'autre jour, j'ai entendu, ils sont en train de parler de ça, 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 ça. Il faut seulement faire attention. Tu pars, tu le sois là, tu check, tu vois le coup qu'on préparait sur toi comme ça là. Comment on avait prévu de te mettre à terre? Dieu ne laisse jamais ses enfants. Jamais. Moi, je l'ai grondé qu'il fallait demander pour que je lui avance son salaire. Maman, mélanger business et belle famille. Si tu ne veux pas les problèmes. Même business et famille, même ta propre famille. Ça, c'est les erreurs que je ne fais plus. I don't mix family and business. No way. Je veux pouvoir être à l'aise pour blâmer mon employé. Tu as fait un truc qui n'est pas bien, que je puisse te dire que ça, là, c'est que toi-même regarde, est-ce que c'est bien? Que tu aurais dû faire ça. Non, n'est-ce pas? C'est la femme de tonton Bosco, non? Ah. Comment la petite fille là qui est arrivée dans la famille l'autre jour, elle va te parler fort. Il y a tellement vu. Ce sont les principes que j'ai toujours eu dans mon cœur depuis des années. Mais quand j'ai commencé à les appliquer, j'ai commencé à comprendre que les principes, ce sont des choses qui ne manquent pas. Tu montes, tu descends. Ça ne manque pas. Il y a des lies. Il y a des lies. J'ai aussi côtoyé beaucoup les Nigériens. Les Nigériens sont, il y a des Nigériens qui font le scam, mais aussi les Nigériens qui sont justes et droits.
Quand tu vois leur façon de faire, il est waka. Tu comprends pourquoi ces choses doivent marcher. Merci pour le compliment. Hormis. Ça, c'est des erreurs qu'il ne fallait même pas faire au départ. Employer le neveu de ton mari. Des choses qu'il ne faut pas faire. Des choses à ne pas faire. Bon. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Je crois que ça fait 2 heures que je fais le direct. J'espère que ça va vous permettre de... Je sais qu'il y en avait, vous êtes très découragés. Vous êtes très découragés. Je prends souvent du... Parce que souvent, j'ai des nuits, je reste comme ça. L'esprit me parle beaucoup. Et... Parfois, il y a des jours qui me demandent de renforcer certaines choses en vous. Renforcer certaines choses. Pourquoi si tu devais abandonner, que tu n'abandonnes pas. De restaurer. Et il y en a parfois, vous voulez peut-être... Tu étais sur un truc, après tu dis, bon, faut que je lâche. Et tu dis, essaie encore. Vas-y encore pour 6 mois. 6 mois. Non, c'est pas tous les Nigérians qui ont les pratiques. Hein. C'est pas tous les Nigérians. C'est avec les Nigérians que j'ai vu comment quelqu'un peut faire ces choses avec la droiture, ça marche. C'est avec les Nigérians que j'ai vu que quelqu'un peut. Il ne manque pas. J'ai côtoyé des Nigérians, surtout les Igbo. J'ai pas beaucoup côtoyé les Yoruba. Des gens qui. Ils ne manquent pas. Donc, pas. Il est comme tu le vois là. Ce que tu vois avec lui, c'est. What you see, what you see, what you get. Il n'est pas là, il était derrière là. Il dépose son téléphone sur la table, même si tu bats le téléphone, tu ne vois rien. Ça existe. C'est aussi que parfois, quand on est habitué à une société, ok, tu as grandi peut-être dans un environnement au Cameroun où tout le monde fait tout le taper dos à tout le monde. Finalement, je te dis, ah, peut-être que le taper dos. Il y a même des femmes qui ont fait le taper dos à leur soeur. Tu vois une femme au salaire qu'elle a volé le mari de sa soeur. Ça existe. C'est beaucoup dans les Camerounais. Il y a beaucoup de choses dans le milieu des Camerounais. Donc, sachez que la droiture existe. Sachez qu'on réussit avec la droiture. Ça existe. Je veux vraiment que vous puissiez... Alors, parfois, les gens peuvent se dire, ah non, ça ne va pas. Ah. Du coup, tu as une opportunité de faire tes choses droitement. Mais je te dis, ça va même donner quoi? Ça va donner quoi? Ça existe. Et je dis parfois, pour attirer ce genre de personnes, tu dois devenir. Toi-même aussi, tu dois arrêter certaines mauvaises choses que tu faisais. Tu dois arrêter certains mensonges, certaines manipulations. Tu arrêtes, quand tu arrêtes maintenant, tu te recentres. Tu commences aussi à faire le bien. Tu commences à faire tes choses droitement. Tu vois, moi, tu tombes sur quelqu'un qui était droit avec toi. Tu tombes, tu dis, hey, non, ça existe. Non, ça existe. Non, ça existe, je vous assure. Et quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui a la longévité, genre, ça fait 20 ans qu'il a l'argent. Il n'a pas basé ça seulement sur le faux pendant 20 ans. Quelque part, tu vas voir, quand tu t'approches vraiment de la personne, tu vas voir que ce qu'on raconte de la personne de haut là, c'est faux. C'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de bien. C'est seulement qu'il est rigoureux et c'est les gens n'aiment pas. C'est seulement qu'il est strict. Quand tu viens à côté de lui, tu l'as fait, tu ne veux pas, tu laisses. Il est rigoureux. Du coup, quand les gens qui sont à côté de lui, on commence à mal parler de lui de haut. Et quand tu t'approches, tu comprends que non. Quand ils te blâment, c'est pour ton bien. Parce que de nos jours, aujourd'hui, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas qu'on les gronde, ils n'aiment pas qu'on les blâme, ils n'aiment pas qu'on les réprimande, ils n'aiment pas qu'on les conseille. Du coup, quand quelqu'un voit même quelqu'un qui se plante, il ne dit rien. Tu vois quelqu'un qui se plante devant toi, tu ne parles pas. Ah, moi, je voulais pas moi qui me prenne pour une peine. Non. En tout cas, moi, il dit moi. Je dis.
Il dit, si tu me détestes. Ma grand-mère faisait toujours ça. Moi, vraiment, je bénis le Seigneur pour mes deux grands-mères. Moi, j'avais une grand-mère qui était très véridique. La mère de mon père était très directe. Très véridique. Quand tu fais un truc, ça ne va pas. Elle te lave sur le champ. Elle te dit, cache. Elle te dit, comme elle t'a dit là, si tu veux, tu prends. Tu veux, tu ne prends pas. Maintenant, plus tard, c'est des années plus tard que tu comprends que, heureusement qu'elle m'a toujours dit, quand je ne faisais pas bien, elle me disait. Ma grand-mère me disait toujours que ce n'est pas seulement l'école. Que tu peux réussir à l'école, tu as tous les diplômes, mais tu n'es pas sage. Tu n'as pas la sagesse. Tu n'as pas le savoir-faire. Et c'est le savoir-faire, ça prend n'importe où, même à la cuisine. Souvent, tu mets à la cuisine comme ça, là, elle te dit que tu vois quelqu'un, voilà, tu veux découper les condiments verts, par exemple. Tu prends une feuille de céleri, tu découpes. Tu prends le poireau, tu découpes. Elle te dit que pourquoi tu ne mets pas tout, poireau, céleri, tout ça, pourquoi tu ne mets pas tout dans ta main, tu arrêtes comme ça, là. Tu coupes en une fois. Voilà un principe qu'elle vient de t'enseigner en découpant les condiments verts. C'est pour ça que vous allez voir, quand je suis arrivée en Europe, ma tante il m'avait accueilli, paix à son âme. Tata, non. Elle disait, elle avait une façon de faire la cuisine là. Elle était très... Tu la vois à la cuisine, moi, elle arrive, pap. Elle fait la sauce gombo. Pendant qu'elle met le couscous, l'eau du couscous au feu, elle est en train de découper les oignons, elle écrase les condiments, elle sort le truc, la viande du frigo. Elle met au, pendant qu'elle met au micro-ondes, ça fait 5 minutes pour se dégivrer. En 30 minutes, 40 minutes maximum, elle a tout fait. Ah! Une autre personne va venir. Bon, sortons d'abord la viande du truc. On va attendre, la viande va faire 4 heures pour se décongeler. Pendant que ça se décongèle, on découpe les oignons. Après, on prend... Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de principes que j'applique dans mon business aujourd'hui, que j'ai appris dans la cuisine. Économiser le temps. Tu entres seulement, pam, pam, pam. Quand tu commences avec la faim à l'esprit. J'ai besoin de ça, ou ça, ou ça. Je fais comment? Tac, 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 tac. J'ai 4 clients qui sont là. Je fais comment? Ok, donc le client, si, comme il est là-bas, en passant là-bas, je donne une fois ça. Même ceux qui font souvent les livraisons, tu as les colis que tu dois livrer. Ceux qui ont fait DHL, par exemple. Si tu suis ton itinéraire, tu peux pas aller dans tel compte, tu livres, après tu pars là-bas, après tu repasses encore là où tu étais parti. Donc c'est des choses comme ça dont vous avez besoin pour la vie. Ok, bonne journée. Le dynamisme est très important, ça c'est vrai. Merci Orny. Ok. Bon, Facebook, vous passez une très bonne journée. Ok.